Bonjour à tous. Donc voilà, moi, je vais vous présenter personnellement. Moi, je suis une fille du Nord. voilà, la briquette. Donc, je travaille dans une briqueterie. Avant, je faisais pas ça du tout. J'étais ingénieure électronique. Et puis, version, un peu comme le manche du bâtiment, quand voilà, c'est BTP. Se transforme en bois à terre paille. Voilà. Et puis, aujourd'hui, je travaille à la briqueterie de Vulles, qu'on appelle aussi la briqueterie d'Allonne. Elle a deux noms, deux tranches, cette briqueterie. Et voilà, je peux passer la question. Pour la Ah oui, d'accord. Alors là, là, c'est la briqueterie. Donc, vous voyez un peu le style, c'est pas vraiment les grands ateliers. Hein. Nous, on est là depuis 1856 en Picardie, donc entre Paris et Lille. C'est une briqueterie artisanale, centrée au départ sur la terre cuite. Cette transition terre cuite, terre crue, elle est vraiment très intéressante et j'en avais parlé aux assises de la STER, parce que je pense que c'est aussi un réseau qui est vraiment à exploiter et ça tombe bien dans le thème d'aujourd'hui. En ce qui nous concerne, on travaille à la main. Tout est fait à la main. On cuit dans un vieux four Hoffmann avec une grande cheminée là, qui est pas juste là pour faire joli, elle sert, hein, voilà. Et on travaille sur la restauration du patrimoine beaucoup. Mais pas que, aussi sur des projets très qualitatifs au niveau de l'architecture. Comme on a des matériaux très authentiques et qui parlent d'eux-mêmes, en fait, la terre cuite traditionnelle, elle a vraiment un caractère assez fort. Et donc, elle est utilisée par les architectes pour ce caractère, comme ça, d'authenticité. Et depuis 40 ans, on fait aussi des produits en terre crue. Alors au départ, par rapport à la restauration du patrimoine, en étant en Picardie, le patrimoine terre crue, il est assez développé au niveau du torchis. Et donc on a commencé par ça, par le torchis, proposer du torchis prêt à l'emploi pour les artisans, parce que quand il faut commencer à creuser au bout du jardin pour faire du torchis et réparer sa grange, ça peut être un peu compliqué. Donc, ça a permis quand même de faire pas mal de chantiers et de sensibiliser aussi les gens à ce matériau un peu oublié. Ensuite, on s'est un peu engaillardi. On a fait des enduits, on a fait des briques de terre crue, on a fait du plisé, des isolants chanvre argile et évidemment, on peut aussi utiliser nos argiles comme un ingrédient, en fait, en matériau vraiment de base, c'est même pas formulé sur le chantier. On a la chance, on est sur un bassin d'argile qui est extrêmement intéressant, hein, le pays de Bray, c'est comme ça que ça s'appelle dans mon coin. Le pays de Bray, Bray en Picard, ça veut dire boue. Parce que bah, comme il y a énormément d'argile sous nos pieds, bah, dès qu'il pleut, c'est de la braie chez nous. Voilà. Et donc, on a trois argiles qui sont locales et très différentes. Un limon argileux, une smectite et puis une argile de Gault qui a des caractéristiques très différentes. Et on travaille encore avec deux autres argiles qui sont un peu plus loin, qu'on achète. Et qui nous permettent d'avoir déjà cinq argiles très différentes qui vont avoir une pertinence dans l'un ou l'autre des produits en fait. Aujourd'hui, on a 50 références, à peu près une cinquantaine de références au catalogue, donc on couvre pas mal du champ des matériaux terre crue. La parole juste une minute de plus. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée de l'évolution aussi de ces matériaux et une idée peut-être du volume vu et quelle progression vous constatez? Alors, au départ, donc il y a 40 ans, quand personne n'y croyait, quand il n'y avait pas d'architecte qui s'intéressait à la terre crue,
Le marché de la terre crue était très confidentiel et en ce qui nous concerne, c'était pratiquement que du torchis et destiné quasi uniquement au marché de la restauration du patrimoine local. Depuis, je dirais, 6-7 ans, il y a vraiment une montée en puissance de par l'intérêt des architectes. C'est vraiment les architectes qui tout à coup se sont intéressés aux matériaux. Grâce à notamment Paul-Emmanuel Loiret qui a participé à faire une grande exposition qui a été très intéressante et déterminante dans le monde de la terre crue aujourd'hui, je pense, qui était Terre de Paris, Palais d'Arsenal. Et ça a vraiment été, enfin nous on l'a vu, c'est incroyable l'impact que ça a eu. Parce que ça a ouvert, voilà, ça a mis un coup de lumière sur la terre crue et les architectes se sont dit, ah mais il y a un matériau, il y a un nouveau matériau qu'on peut utiliser. Il n'est pas nouveau, mais voilà. En tout cas, et ça, c'est vraiment, il y a un avant, un après. Et donc, on s'est mis à faire ben, des nouveaux. Et voilà, l'école Myriam Makeba, l'image qu'on voit là, c'est une petite élève de l'école Myriam Makeba à Nanterre, qui est l'un des premiers bâtiments en terre crue contemporains. Dans la région parisienne. Et on en a fait déjà pas mal depuis. Et là, encore aujourd'hui, on est en train de. Là, on fait un bâtiment à Bagneux, sur lequel Andreas a travaillé aussi, où on a livré 12 demi-remorques de briques de terre crue. Ça se faisait pas du tout avant. Donc, la diversité. Voilà, on est vraiment sur. Avant, c'était que le torchis. Enfin, on faisait d'autres choses, mais enfin, principalement, c'était du torchis et des enduits. Aujourd'hui, on fait aussi beaucoup de pilés, on fait beaucoup de briques de terre crue. Donc, une diversification. Et aujourd'hui, on fait. Ça représentait 10% de notre chiffre d'affaires, on va dire, il y a 10 ans, la terre crue. Et aujourd'hui, on est à peu près au quart de notre chiffre d'affaires et c'est quelque chose qui monte. La terre cuite, c'est toujours important chez nous, hein, mais c'est vrai que les problématiques d'énergie, du prix de l'énergie et ça a un impact. Et quand on peut ne pas cuire la brique, eh ben, c'est quand même intéressant. Merci beaucoup. On va passer la parole donc à Grégoire Guettant de TerraBlock. Question aussi, peut-être. Bonjour à tous et à toutes. Grégoire Guettant, je suis ingénieur civil de formation. Et puis, je travaille à TerraBlock depuis un an. J'ai fait d'autres choses. Et là, je suis fabricant, je suis content. C'est bien. Bah, TerraBlock, c'est une entreprise basée à Genève. Nous sommes à Genève et on a commencé il y a une dizaine d'années avec une presse manuelle que vous pouvez voir sur la photo de gauche, où ils font des briques de terre compressées, stabilisées et non stabilisées, il y a les deux. Et puis après 8 ans de chantier d'expérience, ils se sont dit ben, il faudrait quand même arriver à démocratiser ça un petit peu plus pour pouvoir produire plus rapidement et pour pouvoir répondre à des demandes un peu plus importantes. Et une idée est montée avec une entreprise qui fait des pavés béton, de recycler un petit peu leur machine aussi, ont des commandes qui baissent. Et donc on a utilisé leur machine, on a utilisé leur moule dans un premier temps, et puis on a regardé qu'est-ce que ça faisait avec leur machine. Ça a plutôt bien marché sans trop ajuster les machines. On a pu ensuite acheter des moules pour pouvoir avoir différents modèles. Ici à droite, vous voyez le terraplaque, c'est des cloisons comme des carreaux de plâtre. Il y a l'argile expansée dedans pour pouvoir réduire le poids. Et avec ces machines-là, on n'arrive pas encore à faire des briques de terre crue. On les stabilise à 4% de ciment. La ligne de production, elle nous dicte les règles et c'est malheureusement pas nous qui pouvons dicter les règles. On n'a pas choisi. Donc, par exemple, les silos pour entreposer la terre, ils sont verticaux. Donc, si on met des terres trop neutres, on va avoir des matières trop collantes. Et donc, on doit aller chercher des terres plutôt limoneuses et sans trop de cohésion et on rajoute ces 4% de ciment. Donc, on travaille sur des liens alternatifs.
mais on n'arrive pas encore à l'heure actuelle à faire des briques de percule. Et dans nos capacités de production, en tout cas, avec une chaîne artisanale, comme on l'appelle, on faisait 25 mètres carrés jour avec 6 personnes. Et puis, on est passé à 450 mètres carrés jour à 3 personnes. Et l'usine, elle tourne, pour nous en tout cas, vu que c'est pas la nôtre, elle tourne 10 jours par an. Ça fait à peu près 4500 mètres carrés par an. Et dans cette idée-là, on aime bien l'idée de ne pas avoir une usine à nous, et parce que déjà on n'en a pas les moyens, et que c'est des usines qui ont mauvaise presse et donc qui ont aussi moins de commandes, donc de pouvoir réutiliser ces machines-là. Et on a fait un deuxième partenariat, alors là avec un beaucoup plus gros qui s'appelle Sébastien Müller à côté de Zurich, pour pouvoir aussi produire et puis alimenter des chantiers en Suisse alémanique. Pour TerraBlock, et on est une petite boîte, on est moins de 2 équivalents temps plein. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on passe la parole à Vincent Pierre. On a un peu changé les places. Bonjour à tous. Je suis Vincent Pierre et je représente Terrio. Terrio, on est une toute jeune entreprise pour le groupe, puisqu'on a été fondé il y a tout juste un an. Il y a 5 pièces maintenant, un petit site de production. Et c'est qu'on fabrique des éléments en idées préfabriquées en atelier. C'est des blocs de dimension standard, 120 par 80. Et après, on les décline dans différentes épaisseurs. Et puis, on peut faire aussi des éléments qui sont plutôt des éléments un peu plus sur mesure, mais on reste dans cette logique d'un élément préfabriqué qui n'est pas manuportable. Donc, on fait entre 600 kilos, une tonne deux. Sèchent naturellement en atelier et c'est seulement ensuite qu'ils sont mis en œuvre sur chantier. Oui. Là, c'était un exemple de mise en œuvre où vous avez du coup une production qui a été faite. Dans le plan, c'était des blocs qui font 50 dp, il y a tailles différentes, toutes mesures, et ils sont ensuite mis en œuvre sur chantier à la pince ou à la sangle, et ils sont montés, là en l'occurrence, c'est avec un mortier bâtard, mais il y a trois typologies de poses qui sont au mortier terre, mortier chaud ou mortier latte. Ensuite, on est sur une logique de rejoindre avant pour avoir un aspect monolithique plutôt. On est une toute, ouais, je vous disais, toute jeune entreprise. On n'a pas le même recul que beaucoup d'autres acteurs autour. La logique dans laquelle on se positionne, c'est de se dire qu'il y a une dynamique de mécanisation et de normalisation qui sont clés pour le la terre. Effectivement, la chance, et notamment avec le travail de nombreuses agriculteurs, même d'ailleurs sur le lycée préfabriqué, voilà, un énorme travail d'architecte s'empare du lycée et maîtrise envie d'explorer le sujet terre, avec quand même des contraintes importantes. Ces contraintes importantes, c'est d'abord une contrainte de coût, parce que, in fine, moteur est pour le promoteur. Ou un mètre d'ouvrage qui est limité dans le coût matériau, dans un contexte dans lequel les matériaux augmentent énormément. Donc, il y a une problématique de valorisation. Donc, on a découvert de pénibilité beaucoup dans la fabrication pénibilité qui fait que c'est difficile d'atteindre des niveaux de constance dans la production. Et puis, il y a un sujet normatif quand même. Chaque application dans le bâtiment, bah, il y a un certain nombre de contraintes. Plus on veut étendre les champs d'application, bah, plus il faut aller lever ces contraintes. Et les vrais sujets, par exemple, quand on est dans le bâtiment, dans le logement, c'est vite des sujets de feu, c'est vite des sujets d'acoustique. Et pour ça, il faut faire des essais qui sont longs à développer, qui sont coûteux à développer. Comme on a un matériau qui est quand même un matériau cru, alors oui, je ne vous l'ai pas dit, mais nous, on ne souhaite pas stabiliser, on ne souhaite pas mettre le ciment dans nos blocs. Nous permet d'avoir une réversibilité totale. Et c'est ce qu'on aime beaucoup. On a l'idée qu'il y a toujours été porteur et permis de construire des bâtiments dans cette époque-là. On aimerait conserver cet élément-là. Et bah, du coup, en revanche, on a une matière première qui est changeante. Et sur cette matière première qui est changeante, aller convaincre un organisme normatif qu'on est capable d'en maîtriser la qualité, même si ce matériau varie, bah, c'est un enjeu qui est assez fort. Beaucoup. Et on va passer la parole à Frédéric Jaillet de Défini les lumières de Wolf. Alors.
avec Jaillet. Je suis en charge de support technique hein, pour les PME qui se situent à Châtre en Isère. C'est le travail, notre cœur de métier, c'est le pigment. Donc, formulons, assemblons, produisons des enduits. Et également des liants chauds, peinture végétale, bientôt du mélange plâtre. Voilà, on n'est pas spécifique argile. Mais dans la gamme argile, nous proposons des enduits d'éther cru et essentiellement des enduits de finition. L'activité a commencé en 1986 avec les pigments, un peu d'argile. Donc, il y avait déjà des chantiers, une niche. Et puis là, on sent très clairement la demande augmenter. Et notamment dans les enduits lourds, hein, les enduits de dressage, les terres allégées. Dans les enduits de finition, et on en produit environ 200 tonnes, ce qui fait déjà quelques hectares de murs. Nous avons alors, circuit de distribution, enfin, travailler le terrain en fait. Nous sommes présents chez des négoces matériaux naturels, des négoces généralistes, des négoces peinture bâtiment. Travailler le terrain avec beaucoup d'ateliers, beaucoup d'animation, beaucoup de formation et également énormément de démarrage de chantier, foire, salon. Voilà, le développement, la promotion de la terre hein, dans notre famille de produits, hein, les enduits, déroulés énormément sur le terrain. Ensuite, pour la suite des développements qui est encore à souhaiter, le thème dorénavant, c'est quand même dans l'habitat. Il va falloir, à mon sens, amener encore et encore les qualités intrinsèques de l'argile, hein, perspirance, logique, suite logique au support perspirant en tous les cas. Et ici, c'est assez consensuel, donc c'est qu'on parle, mais il y a encore énormément d'architectes, à mon sens, de bureaux d'études qui n'ont pas du tout cette approche-là, donc ça va être à nous encore et encore d'occuper le terrain et d'avancer, d'apporter des informations. Merci beaucoup, Frédéric. Aujourd'hui, je travaille au PE Terre, Terre Énergie Conseil. C'est bon, hein? Oui. Bonjour tout le monde. C'est vrai. Écoutez, moi, je suis donc ingénieur génie civil bâtiment. J'ai fait mes études en Allemagne. J'ai fait à l'époque un diplôme de fin d'études sur la construction en terre au Sénégal, avec notamment déjà les questions de comment ça tient mieux à l'eau. C'est un des thèmes principaux. Et puis, quelques années après, je suis venu faire le DSA Terre, ça fait comme ça. Même quand je l'ai fait, ça a changé de nom, même entre les deux. Oui, ça a l'air d'être assez stable. J'ai découvert en France que je prenais pour l'Eldorado de la Terre, puisqu'il y avait eu le village de Villavo, l'Expo à Beaubourg et Cratère. Dans tout Rhône-Alpes, j'ai trouvé deux artisans qui vraiment vivaient de construction en terre. La Meunier et Zavioka. Je n'ai pas trouvé d'autres qui réellement vivaient de construction en terre. Et en venant d'Allemagne, où j'avais fait des stages déjà dans l'entreprise Peter Bradenbach, qui aujourd'hui, depuis longtemps, s'appelle Claytech, qui entre-temps avait, donc qui à l'époque, moi quand j'ai fait mon stage chez eux, pendant mes études d'ingénieur, ils ne faisaient pas encore de matériaux pour l'emploi, hein, ils faisaient des restaurations de torchis, d'enduits terre, et puis ils faisaient du terre-paille.
Donc, effectivement, moi, j'étais avec eux sur un chantier dans un petit village, 500 km de chez eux, dans la forêt noire. Vu qu'à chaque fois, ils prenaient des terres différentes sur place, ben, à chaque fois, ils grossissaient le moteur de leur malaxeur, de leur broyeur, etc. Et, en tout cas, moi, voilà, peut-être que c'était une erreur électrique, peut-être, mais en tout cas, on a éteint l'électricité de ce village. Bon. C'est juste pour dire aussi que ben, souvent, on n'a pas la place sur le chantier fabriqué. On n'a pas, il pleut, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui font et qui ont fait qu'eux, ils sont passés à préfabriquer pour eux-mêmes d'abord, à faire leur mélange dans un petit hangar pour leur propre chantier. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, c'est pas pour rien. Et ensuite, bien sûr, ils ont complètement changé d'échelle et de produit. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même le plus gros producteur de matériaux en terre crue en Europe. Voilà. Donc, alors, comme moi, je me suis dit, j'ai fait un raccourci. Je me suis dit, tiens, en Allemagne, les matériaux prêts à l'emploi, il y a quand même un peu plus de chantiers. En France, il n'y a pas de matériaux prêts à l'emploi et il n'y a pas de chantiers. Donc, si on amène les matériaux prêts à l'emploi, peut-être qu'il y aura plus de chantiers. Et c'est comme ça que j'ai monté ma boîte. Sauf qu'évidemment, il faut aussi montrer que ça fonctionne. Donc, j'ai fait pendant quand même pas mal d'années, on va dire, la filière du début jusqu'à la fin. Donc Acter faisait l'importation, la fabrication très rapidement, voilà, dans la fabrication, de la vente directe à des artisans et des particuliers, de la vente à des revendeurs, je sais pas moi, à Lyon, à Chambéry, dans la Drôme, mais aussi des gens beaucoup plus loin, à Toulouse ou en Bretagne, ou à Paris, voilà. Donc, et on faisait de la formation, une petite formation de deux jours, vendredi, samedi, en général, et qui mélangeait architectes, artisans, particuliers. Sans aucun, et d'ailleurs, je continue à dire que c'est un très bon format de mélanger le public parce que les gens posent tous des questions différentes, en fait, et que tout le monde y apprend. Donc, pendant quelques années, on va citer deux qui sont là aussi. Laurent, mon premier gros chantier, Laurent y était. Donc, c'était à l'époque l'entreprise MPRB qui était, qui a fortement participé à ce chantier, on peut dire. Donc, c'est le parc, c'est les murs en pisé du parc Gerland. Et puis ensuite, Marie pour la briqueterie d'Alonne. Depuis 40 ans, on faisait du torchis. Et à l'époque, quand je les ai connus, ils faisaient un enduit torchis qui était un enduit à mélanger à la chaux. Donc, il était un enduit pour mettre sur le torchis. Et du coup, ensemble, on a formulé un enduit. Il s'appelait Acter Terre d'Alonne. Alors, donc, maintenant, je vais parler peut-être plus de la partie production. Donc, au démarrage, effectivement, moi, j'ai importé des matériaux d'Allemagne. Très rapidement, la terre rouge d'Orient, elle fonctionne très bien en enduit et peut-être pas d'autres choses, mais quand même surtout en enduit. Et la terre rapidée, j'ai visité 3, 4, 5 carrières, j'ai pris des échantillons. Et puis, il y en avait deux qui étaient bien. J'ai fait des petits tests dans des tubes en PVC avec un petit bâton. J'ai fait mon test de pilier de chantier. Et puis, il y en a deux qui étaient bien. Puis, je suis retourné voir les gens des carrières. Et puis, il y en a une qui était ouverte à faire quelque chose et l'autre pas. Premier chantier pisé au CSTB avant ça. Donc j'appelle la carrière, je dis vous pouvez me tamiser 15 tonnes là, 15 tonnes, non, on va pas salir nos machines pour 15 tonnes avec vos trucs là, voilà, bon, ok, d'accord,
Donc, bon, pas tardé, on s'en fout, nous, sur le chantier, les cailloux, on les jetait à côté, c'était pas très grave pour nous. Mais bon, j'ai commencé avant les autres, alors je prends un peu plus de temps. Je m'excuse, je vois pas comment je peux le faire, parce que je pense que c'est vraiment cette question de production, etc., c'est pas... Voilà. Et ensuite, ben, il y a le chantier de. Ensuite, il y a le chantier justement de Lyon. Je vous appelle, je dis, ben, je ne sais pas, il y a je ne sais plus combien de tonnes, 300, 400, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et puis, je vous donne le prix demain. Voilà. Donc, tout est une question de quantité par rapport aux moyens de production. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est important dans notre discussion. Voilà, donc pour la, et dans la suite, donc pourquoi est-ce qu'on a commencé à développer? Donc on avait, donc nous on produisait un trombone en couche, rouge de Royan et puis finition. Ben j'ai cherché des gens pour faire des produits moins transportés justement, parce que dans un premier temps, moi je le redis très régulièrement, tant qu'on n'a pas autant de centrales à terre que de centrales à béton, il est tout à fait contre-productif de parler de transport. C'est de la concurrence déloyale de mettre en avant du transport loin tant que la filière est en développement. Bon, on en reparlera certainement après. Donc, ce qu'on a fait avec Acter ensuite, c'est de développer des produits régionaux. Et on faisait une remise sur le produit régional. Donc, le produit régional... région parisienne et Picardie, c'était donc l'enduit monocouche Terre d'Alonne. Dans le sud-ouest, on avait aussi, on travaillait avec une pétrie également, et on avait le nôtre, et puis ensuite on avait, je crois, en Bretagne aussi. Enfin bref, on a continué comme ça. Donc voilà. Alors, j'aimerais bien quand même le dire. Il y a 25 ans, personne en France, quasiment, ne parlait d'enduit en terre. Aujourd'hui, je suis quasi certain, il faudrait quand même que tout le monde donne un peu ses tonnages, mais quasi certain que même en tonnage, en mètre carré, c'est même pas... En tonnage, ce sont les enduits qui sont le plus produits en France aujourd'hui. Enfin, sur les murs, quoi, je veux dire. Entre les bottes de paille et puis tous les quelques quand même producteurs qui en font, je pense que c'est ça qui est le plus produit. Et que là aussi, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard. Mais ce qui compte, à mon avis, au moment où on parle, et ça comptait déjà avant, mais on n'en parlait pas, c'est quand même chaque tonne de matériaux utilisés à l'intérieur des bâtiments, cuit ou pas cuit. Ça, c'est la vraie question. Quand on n'a pas besoin de cuir, pourquoi on cuit? Pourquoi on fait du plâtre à l'intérieur? Pourquoi on fait de la chaux, du ciment à l'intérieur, alors que la terre, ça marche très bien? C'est la vraie question qu'il faut. Merci, bon, Maria. On peut passer le micro à Petron, ça va être une continuité, puisque la construction en terre, il y va avec André. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Laurent Petron, donc je suis gérant de l'entreprise Archibolt, basée à Grenoble. Donc, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique. Moi, je suis architecte de formation, donc j'ai fait mes études à Grenoble avec le professeur architecte Nicolas Ragnaud. Donc, peut-être quelques anciens ici se souviennent. Astine, je pense, t'en souviens bien. Bon, voilà, tu vois aussi. Donc, voilà, je pense que tu as insisté tout à l'heure, à Andreas, et je te remercie sur cette passation qu'il y a eu. Un petit peu, tu as cité les anciens, Nicolas Meunier, Xavier Auplat. Voilà, moi, je suis la génération un petit peu après. Je voulais citer aussi Pascal Batman, ici présent, qui travaille avec moi. Donc, la génération rose, là-bas. Donc, même génération que Nicolas. Donc, c'est vrai que nous, on a bénéficié un peu de tout ce travail qui avait été fait, il y avait des années 80 jusqu'au début des années 2000. On est arrivé juste après. Et donc, il y a ce travail de défrichage, d'implantation, de connaissance un peu du matériau terre,
Donc voilà, quand nous on est arrivé, c'est vrai qu'il nous a accueillis au sein de l'entreprise. C'était développer, avoir des chantiers, faire le chantier de Gerland, etc. Et nous permettre un peu de prendre notre envol. Après. Voilà. Donc moi, j'ai monté une première entreprise en 99 avec Laurent Marmonnier. C'est ce qui serait présent aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le raconterai. Et donc après aussi avec notre entreprise Heliopsis, donc avec un copain aussi archi, Frédéric Moy, avec qui on a lancé, finalement, on a fait un peu les premiers gros chantiers épisés. Après, Sud-Gerland, l'école de Vérin-Thuellin. Après, avec d'autres boîtes, d'autres archis aussi qui sont montés. C'est ça qui est assez bizarre. C'est que souvent, c'est pas des maçons qui sont l'ancêtre de la terre, mais plutôt des architectes un peu en sorte de reconversion, c'est comme ça. Et donc, là, je parle de Caracol, avec qui on a fait les chantiers, notamment de d'Orléans avec le stockage des terres et d'autres chantiers autour de ça qui sont devenus vraiment des gros chantiers en pisé où on dépassait les 200, les 300 mètres carrés en pisé, voire plus. Là, actuellement, on vient de terminer un gros chantier donc avec mon entreprise, donc Archivolt, qui a une dizaine d'années, donc. Gros chantier sur Villefranche-sur-Saône. Quand on est arrivé quasiment à 1000 mètres carrés de pisé. Alors moi, je suis un fervent défenseur du pisé sur site. Pas de pisé préfabriqué, mais du pisé sur site, réalisé sur site, de manière traditionnelle, mécanisée certes, mais quand même traditionnelle, en mettant essentiellement l'accent sur le facteur humain. Alors, je pense que c'est important dans le bâtiment, c'est l'humain, c'est les gens qui travaillent. D'intensité sociale, je parlerai même de densité sociale sur un chantier. Il n'y a rien qui m'attriste plus sur un chantier que de voir deux types sur une façade, un là, un en bas, qui ne se parlent pas, qui ne se voient pas de la journée et qui font leur petit boulot chacun dans leur coin. Je trouve ça assez dramatique pour le bâtiment et c'est vraiment ce qu'on n'a pas envie de faire en tout cas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du monde, beaucoup de monde et beaucoup de sur très peu de mètres carrés. Épisé, ça marche bien pour ça. C'est-à-dire, on peut mettre beaucoup de monde à damer, parce que le damage, si vous avez déjà tous pratiqué un peu le pisé, c'est quelque chose de très physique. Je dirais même presque, c'est pas humain, les machines sont lourdes, c'est fatigant. Mais quand on fait ça à plusieurs, où on peut se passer les machines, être attentif à l'état de son collègue, est-ce que tu peux finir, est-ce que tu peux mettre en place, etc. Ça, c'est super important. Et ça met en place une sorte d'ambiance, et je dirais même de chorégraphie générale, dans la manière de travailler, qui pour moi est l'avenir de la construction. Je pense qu'on a envie de construire comme ça. On ne veut plus de chantier où les gens se tuent à la tâche, arrivés à 60 ans. Alors, personne n'arrive à 60 ans, 70 ans, dans le bâtiment, parce qu'ils sont tous au cimetière, en fait. Et moi, ça fait 25 ans que je fais ce boulot-là, et je n'ai pas envie de ça. Et pour les jeunes qui arrivent pour bosser avec moi, je n'ai pas envie de ça pour eux non plus. Et je pense qu'on peut travailler différemment, changer d'échelle, effectivement, mais ça se fera fatalement avec l'humain. C'est pour ça que j'ai emmené... C'est brique. Alors, je suis désolé, c'est pas un adobe, elle est cuite, celle-là. Mais par contre, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est un élément comme ça, ça fait 10 000 ans hein, qu'on construit à peu près avec des choses comme ça, et finalement, ça se tient d'une main. Donc, l'échelle, finalement, c'est quoi? C'est ça. La marque qui va prendre la brique. Je lâche. La gamate, on prend le mortier, au moins neuf, et on pose la brique. Et finalement, ce qui peut donner le rythme sur un bâtiment, ce qui a donné le rythme pendant des milliers d'années dans la construction, c'est ça. C'est ce geste-là. Et je pense que cette histoire de changement d'échelle, pour ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'on a envie de mécaniser à outrance et de livrer sur chantier. Des blocs de plusieurs tailles, de plusieurs tonnes, qui de toute façon seront, l'ouvrier comme moi, devant un bloc comme ça, ne peut rien faire. Donc il va falloir une équipe, des machines, etc., une ingénierie derrière pour permettre la mise en œuvre de ça. Ou est-ce qu'à l'inverse, on ne pouvait pas imaginer un changement d'échelle un peu plus à taille humaine, où l'humain, justement, peut-être, est
plus pris en compte, mieux intégré en tout cas dans la manière d'appréhender la construction. Voilà. Approche. Voilà, juste pour commenter les photos. Donc là, ben, c'est le chantier de Villefranche. À côté, une école qui vient de se terminer. Là, c'était en cours. Donc là, j'ai embauché, on a été jusqu'à 17 personnes, en fait, sur le chantier à travailler. Donc, avec toute la logistique, effectivement, qui va avec. Ces personnes, ok, c'est sympa, mais c'est pas juste bonjour le matin à 7h et au revoir à 5h30. Là, on était en déplacement, donc comment est-ce que ça marche, où est-ce qu'on loge ensemble, etc. C'est, voilà, c'est d'autres problématiques, d'autres après les chantiers. Mais je pense qu'on pourra en parler. Et le chantier d'à côté, donc c'est des adobes, donc montés un peu façon manioc, que vous connaissez, chantier avec Jean-Marie Le Tiec. Ici présent, voilà, d'un marche sécure avec Arnaud aussi là. Donc chantier intéressant parce que là on s'est trouvé confronté à des adobes, oui, très bien, mais où on trouve des adobes? Comment est-ce qu'on les achète? Difficilement trouvables. Donc on les a fabriqués nous-mêmes. Donc il y avait on a lancé une production de 5-6 000 adobes pour laquelle on a été aidé par l'entreprise Cenex, Julien Simon ici présent, qui nous a aussi fourni la terre à piser justement pour le chantier de Franche. Et donc il a fallu un peu comme ça, une sorte d'arrangement, pour pouvoir arriver, parce que le problème c'est comment produire en fait 5-6 000 adobes. Ça paraît pas beaucoup, mais de manière artisanale, ça commence à faire un petit peu. Et c'est là où on s'est vite aperçu de la limite en fait de l'exercice, c'est-à-dire moi, je ne me vois pas demander à mes gars de produire des adobes toute l'année, en permanence, de faire que ça. C'est un boulot à sens, c'est un boulot physique, ou alors on mécanise énormément, comme vous avez parlé tout à l'heure, mais ça suscite, il faut une autre logistique, une autre manière de travailler. Moi, c'est pas mon métier, c'est plutôt de mettre en œuvre les matériaux. Et donc, comment produire ça? Et c'est là où c'est assez compliqué. On essaye de trouver des astuces, des choses un peu efficace pour arriver à produire 6 000 adobes, c'est pas beaucoup. Mais je vais arrêter là. Merci, Laurent, de rentrer beaucoup dans le débat, très intéressant. Je vais passer la parole à Élodie, voilà, qui va nous parler de Cyclotech. Du coup, je suis Élodie Wallers, je suis architecte de formation en CSA, et je suis référente technique à Cyclotech. C'est-à-dire que c'est un producteur de matériaux en terre cuite à base de terre d'excavation, je suis à Cyclotech depuis 2 ans. Cyclotech a 2 ans d'expérience commerciale et c'est une œuvre collective où, en fait, on est né d'un financement public avec 13 partenaires, dont Pierre et Amago. Et ce projet européen a duré 4 ans. Voilà, donc de 2017 à 2017, européen et 2021, c'est commercial. Au sein de Cyclotech, on vend particulièrement des BTC, on vend aussi du mortier, de l'enduit, pas de terre et de la terre à piser. On est principalement en fait, la stratégie de Cyclotech, c'est qu'on est multi-matériaux, multi-budget et multi-client. Puis, avec un peu de recul, on s'est rendu compte qu'il était plutôt pour ERP, école, et le panneau terre sera plutôt mobilisé sur tout ce qui est logement. Parce que métier. L'évolution de Cyclotech, on a commencé à 2 salariés, aujourd'hui on est 7, on va dire 3 personnes en production et 3 personnes, alors je dirais, dans le bureau d'administration laboratoire. Commenter les images, donc la fabrique, l'image de gauche, c'est mon stockage, donc terre. Et sable, et ça c'est la production des BTC.
usage. Nous donner une idée des volumes que vous avez produits jusqu'à présent. Ça a fonctionné. Alors, elle a pour 2 ans à peu près une consommation. Une tonne de terre pour une palette de BTC, un calcul. Oui, 300 000 BTC en 12 ans. BTC, donc on est à peu près à 10 000 mètres carrés sur 12 ans. La demande explose. Passer de salariés à 7, à peu près 3-4 projets par jour qui rentrent. Après, c'est projection de très long terme, puisque par exemple, à 2026, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais 3-4 projets par jour, mais là, aujourd'hui, ça peut être 2024, 2025, 2026. Question de la stabilité. On a fait le chiffre 80% de non stabilité et 20% de non stabilité. J'ai bien dit 80% de stabilité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a aucun projet totalement stabilisé. C'est-à-dire que le stabilisé dépend du non stabilisé. Donc, par exemple, les sous-vêtements, les angles, des endroits très précis de forte érosion de passage. Nos projets sont du non stabilisé. Après, c'est tout un travail en amont parce que on a commencé à cycle terre, il est tout stabilisé et on leur a tout dit intérieur non stabilisé. Et c'est pour ça que petit à petit, on a acculturé, on va dire, des architectes. Il y a encore énormément de demandes sur du BTC stabilisé en façade et de l'enduit en façade. Montré. Aujourd'hui, c'est un bâtiment du clean. On est dans la réseau 20, donc voilà, la démonstration commerciale et... c'est tout un travail technique en amont de dire non, la vérité à sa place à l'intérieur. Merci Elodie. Je permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un exemple que je trouve absolument fantastique en France, c'est la région Toulouse, dans laquelle on a des briques et non exactement à la même taille. On observe cette trajectoire. Donc, je continue à s'inspirer parce que c'est quand même extrêmement intéressant. On a de la pluie cuite, notamment sur les façades ouest, et pour les piliers, pour les encadrements de fenêtres, et puis de la pluie cuite sur les autres façades et à l'intérieur. Et donc, il y a des logiques aussi traditionnelles extrêmement intéressantes, dont nous avons en parlé hier, dont on voit aussi pour moi. Et puis, pour le coup, qui peut être réinterprété sur le stabilisé, non stabilisé, par exemple. C'est l'exemple de Toulouse. Hein. La cuisse, on a des centaines de milliers de maisons. On a des gens de la région, et on en parler de moi. Moi, chaque fois que je passe dans cette région, je suis frappé par le fait que les façades ouest sont en terre cuite et les façades est sont même pas enduites. Parce qu'il y a du vent aussi. Je voudrais peut-être juste dire une chose, parce qu'on est ici au Grand Atelier, son directeur, c'est Maxime Bonnegy. Le projet cycle terre, technique, a été montée par Maxime Bonnevie, et je m'en suis très reconnaissant, à l'époque où il était à l'ESTC, il était financé par notre unité de recherche, et donc il avait, le dernier travail qu'il a fait dans l'unité de recherche a été de monter ce projet. Ensuite, il a été directeur ici, et donc il n'a pas du tout exécuté ce qui était prévu, donc c'est Maxime Bonnevie, et je pense que c'est important de le rappeler. Voilà, donc j'ai promis de ne pas beaucoup parler, et donc, je vais passer là.
parole donc à Alix, qui va plus questionner les questions qui ont déjà été abordées de matériel. On voit bien qu'il y a beaucoup de variétés d'approches. Pas trop si ça qui est intéressant finalement. Je viens de dire en région le projet que Marie a, dont Marie a parlé en région parisienne, le plus gros projet de briques, justement, malheureusement, c'est surtout extérieur, protégé, sur une grande partie. Là, c'est exactement ça, c'est des briques cuites de la même briqueterie, du même format, qui sont de la même argile, qui sont en soubassement, et des fois, certains murs entiers en cuite. C'est exactement cette logique-là. De stabiliser, que ce soit à chaud ou à froid, là où on en a vraiment. Oui. En réalité, c'est d'avoir une première discussion sur les outils et les modes de production. Parce que nous, avec cette montée en puissance depuis quelques années, en fait, il faut adapter nos outils et nos modes de production. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit peu votre avis sur comment vous, personnellement, dans vos entreprises, vous avez adapté vos outils et vos modes de production, cette montée en puissance. Je sais pas si quelqu'un veut déjà prendre la parole. Je désignerai quelqu'un, mais. Le principe de la terre d'excavation, déjà, change tout la manière d'aborder le. De production à un temps de séchage de minimum 6 mois. De la terre qu'on escave, elle est dans pour un cas. Et déjà, elle doit attendre 6 mois avant d'être exploitée. Énormément d'anticipation. Et ensuite, la particularité du terre, c'est qu'on a récemment utilisé la ligne. A à Z. La palettisation est automatique, justement pour absorber les quantités. Voilà. C'est vrai qu'on est peut-être un peu plus, je ne sais pas. Dans 6 mois, on n'a pas des espaces de stockage pour pouvoir plus routes, entre guillemets, où la terre, elle vient et on essaie de faire comme on peut. Mais c'est vrai que ça demande des espaces de stockage assez importants. Et ça, c'est notre plus gros point faible encore à l'heure actuelle, c'est qu'on a des machines maintenant qui peuvent produire beaucoup, mais on n'a pas encore toute la ligne de production ou des espaces de stockage pour avoir une terre suffisamment sèche. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ça, nous, c'est plutôt nous qui nous adaptons à la machine que la machine qui s'adapte à nous dans le processus TerraBlock, et c'est un peu l'idée d'utiliser ces machines-là. Je peux rebondir sur le temps de séchage. Alors, en fait, nous, on n'a pas le choix. On a voulu justement faire l'excavation tout de suite. Parce que dans la machine broyée, ça sent bon. Elle tombe en panne. Là, c'est une question quand même essentielle. C'est pourquoi on continue, je vais le dire un peu méchamment, pourquoi on s'obstine à toujours vouloir faire de la VTC au lieu de faire des adobes. On sait tous, je pense quand même, qu'une adobe fonctionne mieux en tenue à l'eau, tout simplement parce que les argiles, elles ont vraiment eu suffisamment d'eau pour travailler et qu'elles se mettent. Donc, voilà, donc ça, donc on n'aurait pas besoin d'autant de séchage, ça c'est sûr. Après, on aurait besoin de plus de séchage après. Mais enfin, des adobes faites en usine, ça existe. Moi, j'en importais il y a 25 ans. C'est des vrais adobes. C'est toutes les briques à fond, dans le nord de la France, en Belgique, dans le nord de l'Allemagne, toutes les vieilles briques. Même les grosses briqueteries, c'était de la brique moulée et pas de la brique extrudée. Donc, on peut trouver des solutions industrielles pour le faire. Je réponds juste pour le VTC Adobe.
La particularité, c'est qu'on est une fabrique urbaine. Ça, ça change beaucoup de la manière d'aborder le foncier. On est à Paris, ça coûte très cher, mais en même temps, plus on se rapproche des chantiers, moins on a un impact sur la vie de présent. Et un critère, et on ne peut pas se permettre d'avoir des zones de stockage, genre de séchage des adobes. Le foncier coûte terriblement cher, et l'avantage du BTC, c'est qu'on peut palettiser et avoir un stockage vertical. Dans les briqueteries, il y a des racks. Mais on n'a pas le même espace. On n'a pas du tout le même espace. Par contre, on peut utiliser l'argile directe. Le chantier de Villepreux que tu connais, bien entendu, on l'a fait avec des terres d'excavation de Grand Paris et on l'a passé en machine directe. Nous, on est en extrusion sur pâte molle, c'est-à-dire qu'on va mélanger l'argile avec de l'eau. Alors, quand on fait des BTC, on met de la sure de bois parce que une brique crue, c'est pas une brique cuite, pas cuite. J'ai perdu la moitié de la salle. Voilà, c'est important de le dire, une brique crue, c'est pas une brique cuite, pas cuite. Il faut connaître l'argile, il faut la travailler un peu, hein, c'est vraiment intéressant parce qu'on a tous des façons de faire différentes, notamment parce qu'on n'a pas affaire aux mêmes matériaux. L'argile, c'est la base. Et en fonction de ce qu'on a à travailler, ben, on va pas travailler pareil. Nous, on a des argiles très riches. Toi, t'as pas du tout les mêmes argiles. Voilà. T'as dit ça colle pas. Ben, nous, ça colle. Voilà, c'est très différent et donc on va pas faire la même chose. Et c'est pour ça que nous, dans le Nord, on a du torchis en patrimoine terre crue. C'est pour ça qu'ici, vous avez du pisé en patrimoine terre crue. Donc voilà, il y a une logique, comme disait André. Voilà. Et ouais, tout à fait. Donc au niveau de ta question par rapport aux outils de fabrication, comment nous, on a adapté notre système de production en étant une briqueterie, et aujourd'hui, il y a un réseau de briqueteries important sur le territoire français, en fait. Et moi, je m'étonne quand même qu'il n'y ait pas plus de briqueteries qui fassent aujourd'hui de la terre crue, parce que c'est logique. On travaille l'argile, c'est notre ingrédient de base, on le connaît. Déjà, il y a une connaissance du matériau. Et comme je vous dis, c'est local, c'est une histoire de territoire. On n'a pas la même argile, on n'a pas la même façon de la travailler, on n'aura pas les mêmes outils pour la travailler. Nous, on est en extrusion sur pâte molle, ben certainement parce que notre patrimoine local, c'est du torchis, parce qu'on a cette argile-là. Voilà. Et donc, on la mélange avec la sure de bois, ça a été notre adaptation, on va dire. Hein. D'habitude, on ne met pas de sure de bois dans notre brique de terre cuite, évidemment. Mais après, le système, voilà, l'extrudeuse, ben, c'est la même. Les argiles, ce sont les mêmes. À l'aide de séchage, nous, on sèche avec du vent, principalement. Hein. Ou bien par récupération arrière de la chaleur du four, parce qu'un four Hoffmann, pour cuire les briques, il faut énormément d'énergie. Évidemment, il y a beaucoup de pertes, donc on peut récupérer cette chaleur perdue pour l'utiliser pour sécher. Donc, ça a une logique aussi, ça a une cohérence, en fait. Et après, c'est tout. Donc, l'adaptation d'un outil existant à la fabrication de terre crue dans le cadre d'une briqueterie, c'est facile, en vrai. J'avais une petite question par rapport à l'extrusion, parce qu'on a exploré la question. Rapidement rendu compte qu'en fait, également en énergie, les machines ont une puissance et la compression. Moi, je suis étonnée de ce que tu dis là. Ah non, vraiment ? Ça dépend peut-être des sortes d'argile que tu as. Nous, on a des argiles très. Nous, on a des argiles très argileuses, hein, qui glissent en fait. Hein, tu vois, elles sont peu abrasives, elles sont peu. Nous, on est à l'électricité là-dessus. C'est une machine qui date des années 40. Ouais, je suis un peu typique. Hein, vous êtes tous jeunes. Mais, hein, non, là, oui, c'est... Mais,
Mais ah, c'est gentil. Voilà, on n'a pas. Non, sincèrement, il faudrait que je creuse la question par rapport à ce que tu dis là, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'on. Si c'était le cas, je pense qu'on en ferait déjà plus, on aurait arrêté, parce que vu le prix d'électricité, là, maintenant. Là. Oui. Moi, je pense vraiment, pour vraiment répondre à cette question, je pense que arrêter de mettre contre l'autre. Il y a plein de solutions qui dépendent d'énergie, qui dépendent des entreprises, qui dépendent des moyens de production qu'on peut avoir. Je pense que c'est exactement ce qu'on a vu. Alors moi, je vais citer quatre solutions qui, à mon avis, doivent rester l'une à côté de l'autre. Je pense qu'effectivement, la première, si vraiment en France, on veut faire un pas rapide pour mettre à disposition de tout le monde des matériaux en terre utilisables rapidement, je pense qu'effectivement, la première chose, c'est les briqueteries. Elles ont un outil de production, il y a des choses à adapter, il y a des mélanges à faire différemment, etc. Peut-être que ceux qui font de l'extrusion sous vide, peut-être, ou alors mettre des pondeuses à ad hoc, la place, mais l'amont est là, l'aval est là, donc les racks sont là, les moyens de séchage sont là, en amont, et tout ce qui est mélange. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les carrières. Les carrières, il y a quand même une carrière tous les je ne sais pas combien de kilomètres, bien, je ne sais pas, mais enfin, il y en a quand même pas mal. Et il y a énormément de carrières qui ont de la terre argileuse et qui s'appellent même, comment ça s'appelle chez vous là encore, des stériles. Moi, je ne dis plus, non, voilà. Moi, je ne supporte pas ce stérile, parce que c'est au contraire, c'est là où il y a la vie, dans la vie. Donc, voilà. Donc, et qui déblaye, donc ces terres sont déjà, on les bouge déjà, donc c'est comme, voilà. Troisièmement, la terre, ce qui est terre d'excavation, là, il y a une question de gestion des terres. Il y a même une boîte là, qui s'appelle comme ça, gestion des terres. J'ai vu ça sur, Facebook ou ailleurs, donc, qui propose, vous avez de la terre, alors ils font ça aussi pour de la terre végétale et autres, et tu as de la terre en trop, fermé sur leur truc, et puis quelqu'un cherche une terre de telle et telle qualité, et tu peux aller la chercher. Je n'y crois pas énormément, je pense qu'il faut du stockage intermédiaire. On le voit pour, même pour le réemploi, c'est la même chose. Si on n'a pas des endroits de stockage, ça ne fonctionne pas. Parce que le chantier décalé, machin, ça, à la fin, il n'y a pas grand-chose qui. Et le dernier, ne l'oublions pas, quand même, c'est effectivement la terre du lieu. La terre du lieu, elle est des fois. Et puis, souvent, elle n'est pas adaptée à ce qu'on veut en faire ou ce qu'on peut en faire ou aux besoins réellement qu'on a. Donc, des fois, on adapte parce qu'il y a quand même des torchis. Là, quelque part, moi, j'en ai vu, enfin, je ne sais plus où c'était, mais il y en a ici, tout vers chez nous, là, au milieu des noyers. D'un coup, il y a un petit bâtiment en torchis avec de la terre à piser. Ça marche quand même. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire quand même. Quand on voit les idées dans l'un, nous, on dirait, mais non, une terre comme ça, c'est pas une idée. Il n'y a pas le moins de cailloux. Ah ben, si, ça marche quand même. Donc, moi, toutes ces choses-là, elles sont toutes un peu vraies, mais il faut arrêter de bloquer une chose contre l'autre. Je dirais la même chose pour le pisé préfa. Il y a des chantiers sur lesquels ça fait peut-être du sens de faire du pisé préfa sur place. Il y a plein de chantiers où, à mon avis, faire du pisé préfa, bon, le mieux, ce serait quand même que l'usine soit à côté de la carrière et juste une bande transporteuse entre les deux. Marche à l'électricité avec les panneaux solaires, au lieu de transporter en amont encore. Pisé, donc ça, c'est une... Et d'autres chantiers où, effectivement, on fait tout sur place. Moi, je pense qu'il faut arrêter de mettre une solution contre l'autre parce qu'on va, jamais y arriver. Ça sert à rien. C'est stérile. De se battre contre moi, c'est la meilleure. Là, pour répondre à ce que tu dis, je voulais juste insister sur un truc, c'est l'histoire de temporalité en fait dans la construction. Et on,
pas vers je pense, des années à venir. Je ne vais pas vous parler de réchauffement climatique, etc. Mais voilà, je pense que cette temporalité-là, savoir saisonnalité, de construire, de piser, de faire des adobes, etc. Tout à l'heure, tu parlais de techniques plus humides dans le nord, plus sèches ici. Ça, c'est des vraies choses qui existent, empiriques, qui sont là. C'est des modèles. Et la temporalité, pourquoi ? C'est-à-dire faire du pisé en plein hiver, on sait très bien que ça va être compliqué, même en prépa, encore plus en pisé de site. Ça, c'est clair. Tu parlais de faire des enduits est, ouest. Pour moi, c'est les mêmes questions. C'est les mêmes choses importantes. Et ça, c'est des choses à prendre. Alors, quand c'est des petits projets, des petits chantiers, on fait un peu d'enduit, un petit mur en pisé sur un chantier, c'est pas tant le problème. Mais dès qu'on change d'échelle, on a des chantiers qui vont s'étaler sur plusieurs mois, là, ça pose un problème. Et on peut très bien démarrer le chantier à la bonne période, tout va bien, et d'un coup, ça ne va plus. Et on a eu ce cas-là, juste pour l'anecdote, quand on bossait avec Fred à la Maison des Collines. On démarre le chantier au mois de février, pluvieux, la terre trempée. Le choix de la sécher à la chaux, légère stabilisation. Le combien ? 5% à chaud. Donc tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on arrive au mois d'été. Au mois d'été, la chaux, elle a vite fait de fuser, en fait, de prendre beaucoup plus vite dans le malaxeur. Et donc ça change finalement complètement la technique de mise en œuvre. Et on a des pisés qui n'ont pas les mêmes qualités de ceux qui ont été faits au mois de mars et ceux qui ont été faits au mois d'août. Et cette temporalité-là, elle est importante à prendre en compte dans l'élaboration du projet. Et pendant tout le phasage, en fait, et même en usine, je pense. Oui, on va d'abord peut-être écouter encore Vincent Pierre. Du coup, très vite, c'était pour réagir, parce que c'est long. Effectivement, hein, même, on a les mêmes problèmes, puisqu'on utilise tous les mêmes terres. Et donc, en fait, c'est beaucoup lié à ça. Il y a une chose qui est importante, c'est la logique de flux. La logistique associée au flux est essentielle. Et ce sujet-là, pour le coup, c'est là où on est pas forcément d'accord, mais pour moi, je pense qu'on est important de rentrer dans les logiques de ceux qui existent. Et les logiques de ceux qui existent, c'est quand même ceux qui sont des carrières, ceux qui ont des terres d'excavation et qui ont des volumes importants. On construit aujourd'hui un outil productif sur la base de volumes importants. Et comme quand Andreas disait tout à l'heure, ben voilà, moi quand j'ai demandé 15 tonnes de terre, on m'a dit bah non, vous êtes gentil, mais ça marche pas, c'est pas assez pour nous. Et quand j'ai demandé 400 tonnes de terre, on me regarde parce que effectivement, on commence à rentrer dans des volumes qui sont intéressants pour un carrier. Parce que pour un carrier, ça veut dire quoi? C'est mobiliser une pelle, un crible, un broyeur, le cas échéant. Et ça, pendant ce temps-là, c'est un élément qui travaille pas pour une autre application, qui elle, en revanche, est rentable, génère du chiffre, et au bout du compte, bah, en fait, tu fais des chantiers. Et donc, c'est ça notre enjeu, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour rentrer là-dedans. Je partage avec André, je pense que il s'applique à certains sites. Il a aussi des contraintes en hiver, et on l'a vu, à des moments où il y a, par exemple, beaucoup de pluie, bah, effectivement, terre, qui est une terre qui a été exposée dehors, bah, c'est difficile de la mettre en œuvre. Alors, de palier, en mettant comme je cite le terre, le stockage, ça permet justement d'avoir des moments où on va extraire une terre, faire de la découverte à un moment où la terre vient, et pouvoir l'employer toute l'année. On voit bien qu'il y aura des limites aussi sur le séchage. Ça, on retrouve les problématiques des briquetiers. Absolument. C'est pour ça qu'il faut bénéficier de l'expérience de tout ce monde-là pour mettre en place une chaîne logistique. Et pour le coup, c'est là où je pars. Je pense vraiment que la mécanisation, elle permet quand même de, justement, niveler sur l'année, permettre de produire tout au long de l'année. Et du coup, en fait, faire une chaîne qui soit continue, c'est quand même un élément clé dans notre monde, qui est, on peut le déplorer ou pas, mais qui est un monde dans lequel il y a un sujet financier qui est clé, qui est de dire est-ce que ça tourne, est-ce que ça tourne tout le temps, et combien ça rapporte. Regarde. Et nous, on est un peu obligés de rentrer dans ces éléments-là. Changer le modèle de l'intérieur, c'est plutôt ça la logique pour nous. Pour partager l'expérience de nos métiers, hein, de la famille des enduits. Hein, déjà, nous sommes beaucoup moins soumis à ces problèmes d'humidité. Hein, nous sommes équipés de séchoirs, de mélangeurs à capacité.
Ça nous permet de produire, si on le souhaite, par famille d'enduit, 10 tonnes par jour. Cependant, on en a un sous la pédale, c'est pas le problème. À l'inverse, bon, tant qu'on est dans ces paradigmes économiques, je crois que pour nous, le développement passera par la mécanisation. Il manque de gens pour enduire sur chantier, ça c'est clair. Et mécaniser, eh ben, ça augmente les cadences, la rentabilité pour les entreprises. Et tout de même, il y en a besoin. On souhaite le monde en pied de mur, mais pour l'instant, c'est encore pas le cas. Et pour donner un avis sur ce qui ne regarde pas, mais qui nous concerne, les supports, dont tu as parlé. Les briqueteries, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi une culture de briqueterie. Quand on leur parle de convertir leur terre en enduit, mais pour certains, on est quand même loin du compte. Les carrières, on a des soucis techniques, on a engagé des travaux avec Semex, alors pour le coup de séchage, pour réemployer ces terres. Je parle de la famille des enduits, de nos métiers. Voilà, il y a pas mal de choses à passer encore, autant pour livrer des enduits lourds ou des enduits de finition, ça on sait faire à très forte cadence, et on en attend, vraiment. Et autant utiliser des matériaux de carrière d'excavation ou autre, là c'est vraiment possible. Un sujet passionnant, et c'est vrai que, remarque, il y a des difficultés à toutes les étapes de la gestion de l'humidité, mais aussi de l'adaptation de certains outils de production pour les adapter à la matière qui est bien produite. Ben, je vais faire des questions par la suite, mais je laisse la parole maintenant à mon collègue Eugénie sur la question de la normalité. Merci. Oui, donc moi je voulais revenir avec vous sur la question réglementaire, parce que c'est reconnu aujourd'hui comme étant un frein majeur à changement d'échelle. Et qui fait le débat aujourd'hui, c'est notamment la liberté. Donc, je trouve que c'était un sujet qui était particulièrement intéressant à discuter avec vous, puisque à l'exception d'Archivolt, ça pose des questions en termes de responsabilité et de la capacité que vous avez aussi à garantir un certain nombre de performances sur vos produits. Donc, j'ai dit que tous les normes de caractérisation de matériaux ont été développées pour ça. Finalement, à l'heure actuelle, donc, il y a une norme de caractérisation qui existe pour les briques de terre crue, et pas pour les autres produits. Donc, je voulais avoir votre retour sur les normes réglementaires plus généralement, et puis peut-être commencer par cette question de la façon dont vous appuyez ou non sur ces normes de caractérisation des matériaux pour la commercialisation des briques, d'une part, et puis les autres produits, comment vous. Est-ce que le fait qu'il n'y en ait pas, ça vous pose un réel problème quand vous arrivez à comprendre ce manque et dans quelle mesure est-ce que ça va dépendre aussi de la température. Donc, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier sur le sujet? Parce qu'il y avait par la réglementation. Nous, on a affaire à des petits chantiers et des très petits et des gros, très gros maintenant. Donc, effectivement, la question de la nature du chantier, elle est cruciale. Si on a affaire à un ERP ou si on a affaire à la maison de la Michu. Et aussi le matériau. Ça nous aide énormément d'avoir une norme de caractérisation de la brique de terre crue qui est pas parfaite, mais qui a le mérite d'exister. Au moins, on a des chiffres, au moins, on a des façons de mesurer les choses d'une façon normée, et ça, c'est important. Et oui, c'est un frein. Je suis en train de répondre à un appel d'offres pour une école, et donc il y a une problématique acoustique entre les salles de classe
Et ouais, là, nous, on n'a pas de solution. On a l'air comme ça, mais on est tous des petits, là, hein, autour de la table. Enfin, je veux dire, par rapport au monde du bâtiment, on est vraiment des biens, quoi. Et on n'a pas des moyens de... Bref. Et tout cet aspect normatif, il a un coût énorme, que ce soit en temps financier, évidemment, mais aussi en investissement, en connaissance. Nous, on est briquetiers, voilà, enfin, on n'est pas spécialisés dans les normes, tu vois, comme toi. on essaye d'y comprendre quelque chose et on essaye de s'améliorer, mais c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, il y a des gros projets, le PLFR, il y a un gros projet avec des gros budgets pour essayer d'avancer là-dessus. Le problème que je trouve, c'est le temps. En fait, ces projets financés, ils sont super, mais ils sont super lents. Et on aura des résultats dans 3 ans, on m'a dit. C'est désespérant. Voilà. Mais c'est oui, ça peut être un frein. Ouais. Ce que je trouve compliqué aussi, c'est il y a la norme produit, l'Expedia, qui va en tout cas pour les briques, qui est très bien. Et puis nous, on est producteurs, donc c'est vrai que. On peut se rapprocher à ça, mais surtout, même si on ne se raccroche pas à ça, on peut déclarer ce qu'on a envie, entre guillemets, enfin, quand je dis ce qu'on a envie. C'est pas vraiment vrai, mais en tout cas, c'est nous qui prenons nos responsabilités. Et moi, ce qui me dérange après, quand on va dans un projet, qu'on discute avec des architectes, des ingénieurs, en Suisse, c'est un peu différent, il n'y a pas de bureau de contrôle, mais en gros, les ingénieurs prennent la responsabilité. Et c'est vrai que c'est difficile pour moi, en tout cas, parce qu'ils n'ont rien pour se référer, ou en tout cas, des normes de maçonnerie, mais qui n'incluent pas la terre crue. Ils pourraient l'inclure, mais en tout cas, souvent, ils ne veulent pas trop faire l'effort, ou ça, bref, c'est leur. Mais c'est souvent aussi quand on a des questions, on ne sait pas trop à quoi se référer. Et moi, ça m'embête en tout cas en tant que producteur de leur redonner la patate chaude, comme de redonner la patate chaude pour mettre en œuvre après derrière, où on n'a pas vraiment les réponses et on n'a pas le temps ni l'argent pour faire les essais. Et c'est ça que je trouve qui est compliqué et qui est un énorme frein pour moi en tant que cascade producteur, c'est de redonner cette responsabilité qui n'est plus mienne et qui en même temps ça prend du temps et du retour d'expérience, et on est petit, mais je trouve qu'on est petit, mais on se passe tous les essais, on se passe tous les intros, et ça, là-dessus, le réseau, il est quand même important, et là, vous êtes tous là aujourd'hui, et puis c'est vrai que c'est comme ça aussi qu'on a l'expérience et à éviter de faire trop d'erreurs, je pense. Je vais prendre là quand même une seconde ma casquette de bureau d'études, parce que justement, Le gros frein, il est en amont, on le voit même pas, parce que quand il y a pas quelqu'un qui veut vraiment faire de la terre dans l'équipe, tout de suite il y a quelqu'un qui va dire ah ben non, il y a pas de norme, on laisse tomber. Les projets sont déjà morts avant. Il y a plein de projets comme ça qui ne sortent même pas. Deuxièmement, il y a plein de projets qui sont, moi je l'ai eu plusieurs fois. Sur 2 projets, j'ai eu des problèmes acoustiques. Mais j'ai dit, moi je suis quand même ingénieur aussi, la première chose qu'on apprend à l'école d'ingénieur sur l'acoustique, c'est la loi masse. Et, ah oui, mais il n'y a pas de PV, machin, etc. Il y a un projet, enfin voilà, il y a un projet qui est en cours. Moi je voulais faire des cloisons entre les appartements en briques de terre crue. Je ne voulais pas faire les façades, c'est une connerie. De faire les façades visibles, c'est une grosse connerie. Il faut vraiment qu'on arrête ça. Je reviens sur le fait des normes. Et je vais quand même le dire parce qu'on est entre nous. Non, parce que le bureau de contrôle, pardon, l'acousticien de l'équipe a bloqué et à un point où j'ai dit bon, on va faire apparent d'un côté, de l'autre côté, tu mets un petit résilient phonique et puis un placo, ok. Ben non. Et après, ça devenait de plus trop épais, et puis après, l'investisseur a dit, ah ben non, on perd trop de mètres carrés. Donc, voilà, ça s'est fini comme ça. Et même à l'extérieur, moi j'ai dit, mais faites ça visible à l'intérieur, mettez un isolant à l'extérieur, ça sert à quoi de mettre ces briques à l'extérieur? L'inertie ne fonctionne pas vraiment, la régulation de l'hygrométrie, on peut toujours essayer de réguler l'hygrométrie de l'extérieur, ça, on ne va pas y arriver. Je veux dire, ça sert à quoi? On ne fait que se mettre des contraintes et on est même obligé d'utiliser une partie de briques cuites. Quelle connerie! Non, et alors pour revenir sur l'historique un petit peu, quand même.
En 2008, on avait de l'argent pour faire des règles professionnelles avec l'Aster. Ça, bon, d'autres n'ont pas trouvé que c'était bien de faire des règles professionnelles. Je pense quand même que si on regarde en Allemagne, ça fait plus de 20 ans qu'il y a des règles professionnelles. Sur la botte de paille, ça fait une dizaine d'années qu'il y a des règles professionnelles en France. Sur le chanvre chaud, ça fait peut-être 15 ans ou 20 ans. C'est quand même des filières qui fonctionnent. Un peu arrêté. Donc, l'autre problème, c'est que si on ne le fait pas nous, c'est la grosse industrie qui veut le faire à notre place. Et ça, c'est urgent. Pour moi, c'est urgent. Et je comprends très bien, je suis tout à fait d'accord qu'il faut des normes pour des produits. Et là, c'est des produits parce que quelqu'un produit quelque chose, il le donne à quelqu'un d'autre. Donc, c'est logique qu'il y ait une norme. Encore, bon, je vais redire en Allemagne. En Allemagne, il y a une norme sur les briques depuis, je sais pas, pareil, 15 ans. Ils ont sorti, là, cette semaine, ils ont sorti une norme pour faire de la brique porteuse jusqu'à R+3. Norme stabilisée. La norme allemande est claire. Elle dit, ça n'existe pas, la stabilisation. La norme allemande, c'est des matériaux réversibles. Il n'y a pas de stabilisation. Dans toutes les règles pro, partout, c'est de la terre irréversible. Il y a des classes d'utilisation, comme ça a été repris d'ailleurs, la norme 16, elle est fortement influencée par la norme allemande. Et du coup, on a discuté justement les tests immersion, machin, etc., avec tout ce qu'il y a par rapport à l'eau, ça fonctionne quand même. Donc, ça fonctionne avec du non stabilisé. Donc, on est quand même dans quelque chose de logique. Voilà. Moi, ça fait longtemps que j'arrive plus à comprendre pourquoi certains bloquent là-dessus. Bon, maintenant, on est dans une phase où ça va peut-être aller mieux parce qu'on a effectivement une commission un petit peu mixte entre la CCTC, Aster et le PNR sur justement la normalisation. Ça démarre pas trop mal. Il y a des bureaux de contrôle dedans. Il y a vraiment une bonne représentation assez large de la filière. Mais il faut être patient. Malgré tout, malheureusement. Peut-être Frédéric sur la question de. C'est la parole à Frédéric pour la mise en œuvre aujourd'hui. Oui. Alors, d'abord dire que bon, tant que les clients passent sous les radars, c'est pas au moins un avantage. Mais c'est déplorable. D'avoir à prouver encore que du pisé tient. C'est pas là. Pour la famille enduit, arrive à le voyant. Il y a encore l'appréciation, l'homme de l'art, l'artisan devant son mur qui peut estimer, considérer, apprécier et décider d'une formulation. C'est assez libre encore pour l'instant, pour que ça dure. C'est important. Alors, pour les enduits de finition, la question ne se pose pas, mais oui, pour les enduits un peu plus. Il commence à y avoir quelques contraintes dorénavant. Pour l'instant, ça se tient. Et puis rejoindre Andreas, bien entendu, sur le travail des règles professionnelles, c'est très nécessaire, très important, urgent. Et pour notre part aussi, dans la famille des enduits, de pouvoir approcher un peu plus aussi les fabricants de béton cellulaire, de se rapprocher de la filière paille qui a bien progressé. Finalement, tous les matériaux d'hyperspirant, qu'on puisse avoir un peu. Une proximité, créer tous ces liens forts sur la formation. Pour reprendre ce que tu disais, pourquoi est-ce que justement, ma question, justement, c'est pourquoi pour la de ces normes, pas partir à l'inverse du patrimoine de ce qui existe, de ce qu'on a déjà, c'est-à-dire les normes à partir de ça. C'est un exemple. Pourquoi justifier que tu pisais, tiens, alors qu'on a des pisés qui ont plus de 300 ans. Et je ferai juste le parallèle avec ça, avec, peut-être vous connaissez,
cet entrepreneur espagnol immigré aux États-Unis qui s'appelle Rafael Gostavino, donc qui faisait des voûtes catalanes, voûtes en briques, etc., voûtes plates, et qui a construit une bonne partie des stations de métro de New York, d'églises aux États-Unis, etc. Et les Américains, donc, justement, font cette démarche-là en se disant, mais merde, ça tient. Il y a rien d'écrit là-dessus. Pourquoi ça tient? Et on fait, et donc, ils sont lancés dans des ingénieurs, etc., qui ont lancé des recherches, des calculs, en essayant d'expliquer pourquoi ça tient, pour justifier ce qui est en place. De toute façon, il y a deux solutions. Soit on démolit, en disant, de toute façon, ça ne peut pas tenir, soit on essaye d'expliquer pourquoi ça tient. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec notre patrimoine existant? On a des choses en pisé qui tiennent. On essaye d'expliquer pourquoi ça tient et du coup de justifier ce qui va se en train de construire. Pareil, ça me paraîtrait être la bonne démarche. Là, on a trois ATEX et on s'est rendu compte que c'était un peu le mot magique. Pour les architectes, on leur donner sur un plateau. Et le mot magique ATEX, énormément. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça permet de démocratiser à très grande échelle le BTC, notamment, pour la simple raison que les techniques qui n'ont pas l'ADEX, ils ont une majoration, au niveau de l'assurance, ils ont une majoration de 30%. Quoi est-il fait? C'est vrai que trop, si plusieurs se dirigent vers un aide technique, cette démocratisation et cette simplicité pour l'architecte, tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, les planètes, elles sont alignées. On a la maîtrise d'ouvrage qui est volontaire, on a une maîtrise d'œuvre qui est en train de s'accumuler, et on a différents producteurs maintenant dans différentes régions. Donc, il y a une réelle question en interne à la filière PACRU, une question théologique de est-ce que déjà, on a besoin de former. Et surtout, est-ce qu'on est prêt à se former? Oui. Former, c'est discuter avec le CSTB, discuter avec peut-être d'autres acteurs qui ne sont pas les mêmes conditions que nous. Et je pense que c'est une réelle question idéologique en interne à nous. Est-ce que, du coup, on est vraiment prêt à changer d'échelle? Est-ce qu'on dirige vers ça? Peut-être Vincent-Pierre. Alors, est-ce que c'est un frein? Oui, de ne pas avoir de normes, de cadre, c'est un frein. Comment on fait, nous, sur le PISE? Je ne sais pas comment. Mais nous, il y a un domaine qu'on va beaucoup en avant, qui est quand même le livre sur le secteur. On a un bon élément de référence. Et puis après, en fait, ce qu'on observe, c'est un peu deux choses. La première, c'est que on a deux grandes catégories de chantiers. Il y a des petits chantiers sur lesquels l'objectif, souvent, c'est de mettre en avant plutôt soit une dynamique écologique un peu forte, dans laquelle, du coup, on veut montrer la Terre. Et montrer la Terre, c'est pas toujours le meilleur moyen d'en profiter au maximum, ou de profiter au maximum de ses qualités, mais c'est un moyen d'en mettre. Et en fait, nous, ce qu'on dit souvent, c'est si vous avez envie d'un petit chantier, de faire un petit chantier en mettant de la Terre, si vous avez une maîtrise d'ouvrage qui est partante, pour mettre ces deux clairs, pour montrer le cercle, il faut le faire. Il faut y aller, il faut essayer, parce que, et il faut en revanche chercher à ne pas avoir trop de contraintes techniques. Du coup, parce que là, c'est là où on pêche, on rentre dans les sujets d'essai, on rentre dans les sujets d'ATEX qui coûtent cher, qui sont longs à développer. Il faut aller à fond sur les petits sujets. Et peu de contraintes techniques. En plus de ça, généralement, ce que ça fait, c'est que ça représente des petites parties du chantier, et donc on est capable aussi d'absorber un peu le surcoût qui est lié à la mise en œuvre de ces matériaux. Et puis après, il y a des grands chantiers. Alors là, sur un grand chantier, pour le coup, pour plus de planètes bien alignées, pour un maître d'ouvrage qui est très volontaire, pour avoir en fait ensuite un bureau d'études structure qui ait envie de calculer, et il faut avoir un bureau de contrôle qui soit ouvert. Et d'ailleurs, c'est plutôt pas un bureau de contrôle qui ferme les yeux, mais plutôt un bureau de contrôle qui challenge et qui soit ouvert. Il y en a qui existent, hein, là-bas, qui sont très moteurs là-dedans, et heureusement que ces gens-là se saisissent du sujet au sein du PNTR aussi. Il faut cet ensemble de personnes qui soient liées. Et puis après, et ben, c'est dans ces cas-là où il faut aussi évoquer les sujets d'ATEX. Parce que quand on est sur des gros chantiers, les surcoûts d'assurance justifient d'aller chercher éventuellement des ATEX. KB, c'est une chose. KA, là, c'est en. Et du coup, ce que ça implique aussi pour les archis au moment du dessin, c'est de se dire, OK,
un index de cas, pour que ce soit justifié, il faut que ce soit réemployé derrière. Comment est-ce qu'on fait pour que notre dessin il resserve à d'autres chantiers? Comment est-ce qu'on fait pour que, une fois qu'on a fait ça, ben, on puisse le répliquer sur 2, 3, 5, 10 chantiers et on puisse répondre tout de suite à la question qu'Élodie se fait, qui est de dire, c'est vrai que la première question qu'on a, c'est vous avez un index? Non. Ah. De choses, c'est le faire dans le cadre des grands chantiers. Ça demande de la patience, ça demande des moyens. Enfin, je ne sais pas exactement quel était votre budget pour l'ATEX, mais les ordres de grandeur, quand même, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, plusieurs centaines de milliers d'euros, on ne les a pas tous. Et en tout cas, ou pas mobilisés à très. Mais faites petit, montrez de la terre, et puis progressivement, allons mettre de la terre à endroits où c'est utile, dans les endroits où ça fonctionne. Et là, pour le coup, avec des attaques, c'est de la dame. Je passe le passé. Rapidement, Andréa, si vous voulez avoir pour clore, j'irai. Encore une fois, je pense que cette question de ce que tu as posé, est-ce que cette question idéologique, justement, il faut peut-être se défaire un petit peu cette question idéologique et laisser faire. Pour développer quelque chose en les accompagnant positivement. Voilà, donc il y a des gens qui veulent avancer à telle vitesse et d'autres qui veulent avancer à telle vitesse et d'autres qui veulent industrier, d'autres pas. Je vois pas le problème. C'est aussi pour ça qu'il faut des règles professionnelles, parce qu'en Allemagne, je redis, pour les briques, en Allemagne, l'artisan qui fait lui-même ses adobes, il n'est pas soumis à la norme, parce que il n'y a pas une vente, c'est pas un industriel. Il est soumis aux règles professionnelles, c'est tout. Et ça aide beaucoup, ça aiderait beaucoup. C'est-à-dire, c'est que, à mon avis, toutes ces ATEX, si on prenait tout l'argent qui doit passer dans des ATEX, on aurait utilisé ça pour faire des normes et ensuite éventuellement des DTU. Ben, ça sert à tout le monde et ça sert à, entre guillemets, à tout jamais. Je trouve. Quelque part, même si c'est un passage obligé, je suis pas contre ceux qui en font, mais quelque part, c'est du gaspillage, quoi. C'est même si là, on a des gens qui ouvrent leur système aux autres, mais c'est ouais, voilà. C'est peut-être très dommage. Les textes, c'est pour faire les dents, c'est quand même. C'est la vraie. En fait, je sens que malgré tout que cet argent n'est pas perdu. Parce qu'aujourd'hui, non, parce que je vais donner un exemple. Aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande, et on n'a pas d'ATEX sur certaines, par exemple, le BTC de métropole. Je ne parle pas de métropole. Il y a des chantiers, et c'est un gros point, la zone sismique. Et on nous a déjà approché pour justement leur faire un argumentaire. Oui, le BTC peut être dans. Et du coup, on doit aller piocher dans différents textes réglementaires qui sont des index de BTC, donc c'est des index de Mayotte, Règle Pro, Mayotte, nous, et on combine tout ça et on arrive à avoir un argumentaire. Donc pour moi, aujourd'hui, nos index pour l'instant ne se superposent pas, on n'est pas suffisamment superposés, ils ont tous leur pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, justement, c'est toutes ces pierres qui nous permettent de passer à un avis technique et peut-être dans 20 ans un DTU. Mais en fait, on est en train de monter les chaînes. C'est long. Mais de plus en plus, on a de poids dans la filière. Aux yeux des autres, tout simplement. On va passer à la dernière partie de la table ronde et je passe la parole à Julien. Une thématique sur tout l'approvisionnement et la distribution de l'eau. On l'a vu pendant le Covid avec des éléments qui ont été stoppés. Problème. On le voit aussi dans de nombreux chantiers spécialisés, enfin, spécifiques. Comment assurez-vous une continuité dans le temps de l'approvisionnement en matières premières, sachant que la demande en matière première va augmenter, plus l'augmentation du marché. J'aimerais bien avoir le témoignage de Vincent Pierre qui commence justement son activité, qui a sûrement dû réfléchir
récemment dans une. Alors, nous, la manière dont c'est de dire, en fait, les gisements de terre utilisés, il y en a énormément. Et il faut deux choses à ce stade. À ce stade, il faut essayer d'avoir quand même des gisements relativement stables, premier élément. Progressivement apprendre à identifier et à tisser du lien avec d'autres acteurs qui sont du tout. Non, de l'approvisionnement, de la distribution, c'est un autre sujet. Donc, pour ça, bah, il y a un élément qui est important quand même, et nous, on est en Rhône-Alpes, mais c'est un peu vrai partout ailleurs, les carrières ont de la ressource. Effectivement, il y a l'INERP qui est intéressant, qui est aujourd'hui dans un cadre légal qui n'est pas tout à fait clair, mais bien, d'avoir une terre qui est relativement stable en gisement. Or que, bah, on s'est intéressé un petit peu au plan d'établissement de la carrière et qu'on a essayé de caractériser différemment. Ça, c'est le premier choix. Deuxième chose, c'est en fait travailler avec des carrières, puis aller chercher à travailler aussi avec des terrassiers, avec des ISDI. Ça, c'est pareil pour identifier en fait des gisements. Quand vous avez une plateforme logistique qui est construite, plateforme logistique, c'est plusieurs milliers de mètres cubes de terre inerte, terre qui est potentiellement qui contient de l'argile et qui peut être utilisée pour différentes terres, pour différentes techniques. Bon, bah, ces terres-là, il faut apprendre à les caractériser. Ça se passe d'abord avec les géotechniciens au moment des analyses, puis après, ça se passe avec la récupération des terres et du stockage intermédiaire, parce que effectivement, c'est très difficile de stocker plusieurs milliers de mètres cubes. Si c'est vrai que c'était moi, ils pourront dire que même pour eux, c'est un enjeu de dire, mais comment on fait pour stocker là. Sur tous ces sujets-là, nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup bah, aller chercher progressivement des partenaires et des partenaires qui ont l'habitude de traiter les volumes et qui ont des lieux de stockage. C'est comme ça qu'on arrive à faire de la continuité, toujours en cherchant des gisements. Parce que quand on est dans un schéma d'incertitude sur notre capacité à démontrer qu'on a toujours la même qualité de matériaux avec des terres différentes, bah, en fait, en ayant un gisement plus important, on est capable d'étendre, notamment dans le temps, la valeur des essais. On est capable, notamment, de faire en sorte de rassurer le normalisateur sur l'utilisation. Pour la distribution, donc, c'est que du direct, parce qu'on a des éléments très massifs pour le coup. Aujourd'hui, on est assez peu concerné. Je pense que c'est beaucoup des sujets. Je ne sais pas si Physique Le Terre vous envisagez de distribuer autrement que. Et pour le moment, nous, on n'a pas trop cet écran. Voilà. Parler de l'expérience terre d'excavation. On est localisé donc en Ile-de-France, principalement des mines. Le cahier des charges de Physique Le Terre, on est obligé. On va dire que la ressource est très abondante. Néanmoins, c'est aussi pour ça que l'on favorise le stabilisé, parce qu'on s'engage. Par exemple, là, on a eu un projet pour les JO, pour convertir les chambres des athlètes en bureaux. Ou des caissons qui ont été utilisées pour des projets à venir récupérer nos matériaux au moment de la pour justement réinjecter. Et sur beaucoup des expos ou autres, beaucoup de projets, on s'engage à venir récupérer nos matériaux parce qu'on a conscience que même si aujourd'hui elle est très abondante, ça bien plus que ce que nous, on consomme. Donc, ça s'arrêtera aussi. Enfin, l'idée vraiment de la chaîne s'arrêtera. Le stockage, là, pour l'heure actuelle, justement, c'est vraiment un de nos freins. On n'en a plus assez, à peu près 600 mètres cubes par an. Et puis, on a un espace de stockage de 600. Donc, on fait à peu près, on crible et on concasse une terre une fois par an, à peu près. Et puis, on va essayer de doubler ça pour arriver à peu près à 1200. En général, on travaille plus avec des terres d'excavation aux alentours de l'usine, un rayon de 1 km à peu près, et puis la distance d'approvisionnement, en général, c'est souvent 100 km maximum. On évite la patate, on a des architectes parisiens qui nous approchent, classique le terre ou à l'autre, mais en général, on est en plus, on est des projets. Parce qu'on n'en a pas parlé du tout. Oui.
Et juste un mot complémentaire, bon, l'argile est toujours dans la famille enduit, ce qui accompagne les argiles, ben, les pailles. Donc, aussi, je pense, sur la paille, peut-être pas encore, mais il faut être en éveil surtout. En veille, en tous les cas. En Italie, en. Nous, on a un cas un peu différent. On utilise quelques terres d'excavation, mais relativement peu, autour de chez nous. On travaille principalement avec des carrières, dont on a deux carrières à nous. Et ça, c'est vrai que le fait d'avoir un approvisionnement stable, même au sein d'une carrière, c'est pas hyper stable. Il faut savoir quand même que c'est une matière vivante et une carrière, c'est. Ben nous, on a l'argile de Gau, par exemple, il y a 3 ans, elle était rose, et aujourd'hui, ben, elle est grise, quasiment au même endroit. Donc, même avec une carrière, il y a quand même des... Voilà, c'est pas une matière homogène, l'argile, non plus. Enfin, pas toujours. Voilà. En tout cas, le fait d'avoir des carrières, c'est vrai que c'est confortable. Ceci dit, avoir une carrière, c'est ce que... Enfin, on en a un petit peu discuté en... pour des petites structures comme la nôtre, par exemple, ouvrir une carrière, c'est un truc de fou. C'est hyper réglementé. Le processus, moi j'ai assisté à un processus de renouvellement d'autorisation d'exploitation de carrière. Alors nous, notre carrière, pour vous dire, c'est un champ. Imaginez un champ agricole. Voilà. Et voilà, on a identifié que dans ce champ, tu creuses à certains endroits à 30 cm et ça y est, t'as de l'argile. Bon, donc voilà, on utilise un tout petit bout de ce champ pour exploiter, faire une carrière d'argile. On y va pendant 2 jours tous les 1 an et demi à peu près, et tout le reste du temps, c'est la nature. Ça, c'est la carrière chez nous, hein, parce que la carrière de ces mecs, je pense que ça n'a rien à voir. On est d'accord. Ouais, bah ouais. Voilà. Donc, carrière, ça peut être aussi des petites carrières, quoi. C'est pas forcément des grandes carrières, ça peut être aussi des petites carrières. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le contexte réglementaire, il est très, très lourd pour des petites carrières, parce qu'on a le même contexte réglementaire que ces mecs, en fait. Et évidemment, on n'est pas armé de la même façon. Et nous, pour faire une autorisation de renouvellement de carrière, ça nous a pris 7 ans, 30 000 euros, pour aller chercher de la terre pendant 2 jours, tous les 1 an et demi. Quoi. Voilà. C'est vraiment... c'est très, très lourd, alors qu'une carrière comme ça, une argilière, en fait, exploitée de cette façon-là, c'est une façon incroyable de développer de la biodiversité sur le site. Et quand on fait un dossier de renouvellement d'autorisation de carrière, on doit faire une analyse de flore et de faune. Et donc, on a trouvé des espèces réputées disparues dans l'Oise sur l'argilière, en fait. Donc, du coup, on a dû faire un dossier d'autorisation de destruction d'espèces protégées. Voilà, je vois. Donc en fait, c'est Ubu, quoi. On était chez Ubu, c'est-à-dire que on a failli ne pas l'avoir, cette autorisation de renouvellement de carrière. On l'a eu finalement in extremis par des billets un petit peu qu'on n'aurait pas voulu utiliser, mais qui étaient. La fin de l'histoire d'Ubu, c'est que si on l'avait pas, et ben du coup, ça redevenait terre agricole. Donc en fait, parce que quand on exploite une carrière, on crée une zone humide. On crée une mare, en fait, un étang. Et la zone humide, c'est une façon de développer la biodiversité d'une façon incroyable. On va dans la carrière de Brocourt, la farine à côté de chez nous. C'est le paradis sur Terre, vraiment. Et ben la fin de l'histoire, ça aurait été, tout ça, vous me le comblez, ça redevient terre agricole, c'est-à-dire le désert au niveau de la flore et de la faune. Ça, c'était la loi, en fait. Donc aujourd'hui, je pense que le cadre réglementaire de l'ouverture de petites carrières, qui peut être une solution aussi à la massification, au fait
voilà, de proposer des produits sur des territoires. Et ben aujourd'hui, ça, c'est pas du tout au point. Que là, on a surtout des producteurs et que moi, bon, pendant une certaine période, je vendais quand même pas mal de matériaux en terre. Je pense quand même que un des enjeux, c'est de mettre à disposition de tout utilisateur, et qui sont tous très, très différents, ce dont il a besoin. Donc, si je parle d'une, on va dire, d'une peinture à l'argile, bah, il faut qu'elle soit dans des magasins. Les gens peuvent l'acheter parce que ils peuvent l'acheter le vendredi pour peindre le samedi. Si c'est des enduits de finition, c'est presque la même chose. Et puis, non, bah, oui, c'est pas pour rien qu'il y a eu, quand même, dans les 20-30 dernières années, des marchands de matériaux spécialisés éco-construction qui ont quand même bien participé aussi au fait que ces matériaux se sont répandus. Je veux dire, c'est aussi des gens qui savent de quoi ils parlent, en général, et qui donnent du conseil, etc., et qui ont leur magasin, qui peuvent être fabriqués très proches ou pas très proches, ça dépend. Et qu'effectivement, il faut encourager, bien sûr, ce qui est proche, mais, ouais, je le redis un peu, c'est, tant qu'il n'y a pas autant de centrales à terre que de centrales à béton, c'est complètement illogique de mettre ça en avant. Mais voilà, il faut de la distribution, il faut de la présence du matériau un peu partout. Et je reviens un peu sur les enduits, parce que c'est pour plusieurs raisons que les enduits sont probablement aujourd'hui ce qui fait le plus. Premièrement, la construction en bois de paille a pas mal élevé. Deuxièmement, c'est que quand même, quelqu'un, pour faire de la maçonnerie, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, oser de faire des enduits, même si peut-être pas très bien, mais quand même. Et puis, y a cette question dont on a parlé, la question réglementaire. Il n'y a pas d'enjeu, en général. Parfois, quand même, parfois, il y a des trucs de feu, etc. Mais bon. En fait, voilà, moi, je pense que là aussi, c'est la diversification des moyens d'approvisionnement. Et il est évident que, je ne sais pas moi, moi, je veux dire, chez Marie Nature, ou je ne sais pas où, on ne va pas mettre des blocs de pisé préfabriqués. C'est logique. Par contre, il faut des briques pour faire un petit bout de toison. Il faut. Voilà. Donc, on passera aux questions juste avant. J'avais juste ajouté un mot sur la problématique des fermes d'excavation. Par exemple, pour le projet de Villefranche, donc, sur un espace assez restreint, on a vite été confronté. L'idée au départ, c'était d'utiliser la terre du site, qui était une terre extraordinaire. Ah oui, une terre sensationnelle. Pour faire piser, c'était une parfaite. Le problème, c'est qu'on a besoin de 1000 mètres cubes de terre pour faire le projet. Où on les met. Pas la capacité de les stocker sur place ou à proximité. Et ça, c'est les carriers qui peuvent faire ça. Donc, du coup, j'ai vu partir, pas 1000 mètres cubes, parce que l'excavation, c'était peut-être 5000 mètres cubes. Donc, j'ai vu partir 5000 mètres cubes de terre extraordinaire à piser sans cailloux, avec laquelle on aurait pu faire des enduits, du pisé et j'en passe. J'ai vu partir ça en remblai, en fait. Les camions entiers sont partis, on venait ça loin. Donc, juste, une idée comme ça, peut-être une question, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une banque de pisés, de pisés ou de terre, voilà, là, on a de la terre d'excavation, et c'est là où, je pense, les carriers auraient leur mot à dire, récolter peut-être, récolter ça, stocker ça, alors évidemment, ça demande de la place, de l'organisation, de la logistique, qui dépasse les capacités que moi, petit entrepreneur, j'ai, mais par contre, les grands groupes de pourraient faire ça. Et je pense que c'est une piste intéressante à développer, en tout cas, parce que dans la région, la terre à puiser, n'importe quelle fondation, n'importe quelle chose creusée, ça part en remblai, alors que c'est potentiellement de la terre qui pourrait être utilisée à proximité pour un autre chantier. Je
Non, je rebondis parce qu'il y a eu la même problématique en Ile-de-France. Justement, les artisans nous ont approché de savoir si on pouvait une banque de terre. Et on revient sur la thématique de base, le changement d'échelle et la quantité. Et avoir une banque de terre, c'est intéressant. Mais c'est un... la logistique est beaucoup trop grande pour quelques centaines de tonnes. Même nous, nous utilisons 3000 tonnes pour 2 ans, on est fourni. Et alors, du coup, à l'échelle d'un artisan, c'est peut-être 100 tonnes. Et c'est là où le blocage du changement d'échelle et des quantités. C'est pas assez rentable pour les gros, c'est ça, voilà. Ici, toute la zone, la région Rhône-Alpes fabrique des plateformes logistiques à tour de bras. Ils savent tout quoi en faire. Chaque fois, il y a des milliers de mètres cubes. Et là, une tranche, 5000 mètres cubes de terre, franchement, caractérisée sur un ISDI, nous, c'est sûr qu'on les réemploie. En revanche, c'est certain que le carrier va nous dire je veux que vous commenciez à vous engager sur des volumes. Et je veux qu'on commence à discuter de prix. Mais voilà. Mais c'est sûr. Et du coup, nous, on va dire, OK, bon, il va falloir qu'on commence à s'intéresser un peu sérieusement à des débouchés importants. Aussi. Mais en revanche, c'est vrai que, et c'est un peu la logique, hein, je crois, ce que ces mecs essaient de faire aujourd'hui, c'est de ça. C'est de dire, comment est-ce qu'on fait un petit réseau où on est capable de récupérer, d'avoir des belles terres à utiliser et à mettre à disposition des vassaux. Toutes ces idées qui sont intéressantes. On imagine que merci en tout cas. Moi, je suis les champs producteurs de PPE et j'essaie d'être carrière investisseur en tout cas, mais pas dans le groupe CMEX. Il y a plein de choses très intéressantes. C'est collaboratif. Il y a Laurent, le côté humain, et c'est vraiment ressenti. Les problématiques de carrière, enfin, voilà, je vais peut-être balancer des trucs un peu en vrac, les problématiques d'ouverture de carrière, c'est un vrai enjeu. On a un service foncier qui est dédié à ça, qui réfléchit déjà à comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ou prolonger les carrières à 20, 30, 50 ans. C'est un gros travail. Je passe tout ce qui est lié à l'université, dans le gouvernement. La contrainte, en fait, il faut s'adapter. La terre, nous, ça fait à peu près 6 ou 7 ans qu'on a démarré cette aventure, en Rhône-Alpes, du moins. Parce qu'on ne s'en est pas occupé plus tôt, je pense que c'est surtout par un manque de connaissances. Les carrières, aujourd'hui, extraire, bien scalper la terre végétale, ça va hérisser Andreas, mais ce stérile ou cette terre à bâtir, on va venir aussi la stocker dans le but de pouvoir réaménager. Ensuite, on va exploiter ce qu'on a dessous, le tout. C'est pas d'intermédiaire, cette terre à bâtir. Pas tout le monde a la compétence et le réseau pour savoir quoi en faire. Comment est-ce qu'on peut la revaloriser? Ça, c'est déjà une première interrogation. Et la deuxième, c'est les accords de réaménagement qu'on exploite sur une parcelle. On doit déjà, lors des AP notamment, définir comment est-ce qu'on va réaménager une fois qu'on aura fini d'exploiter. Et on doit recréer ce qu'on appelle l'horizon culturel, recréer les strates à l'origine. Et on se doit de conserver aussi un minima de stérile. Donc l'enjeu, il est, comme le disait Vincent Pierre. Et d'ailleurs, je suis vraiment un peu nerveux de récupérer cette terre de vie. Le but, il est de capter les terres chantiers, les identifier, les stocker dans les meilleures conditions possibles. Cette problématique. Pourrions le faire. Il y a aussi cette part d'humain et d'investissement. Pas tout le monde, pas tous les carriers, malheureusement, ont cette vision-là. Cet échange, il s'est créé avec Aster, avec ce réseau, avec Léo, avec Martin, avec Andreas. C'est en échangeant avec les gens qu'on arrive à définir qu'est-ce qu'on peut faire avec nos matériaux. On considère en tant que carrier, c'est comme un déchet. Le stérile aujourd'hui, pour une carrière, c'est un produit valorisable. Et
aussi les bouts de carrière, les bouts de lavage, qui sont un enjeu pour un carrier. On exploite le tout venant. On produit majoritairement du granulat pour faire du béton. On a besoin d'avoir un granulat propre. On va venir le laver, on va récupérer cette petite pellicule d'argile dans des bassins de décantation. On met au fond d'un trou, parce qu'on ne sait pas comment les revaloriser. Frédéric aussi, cherche des pistes de revalorisation. Ce n'est pas toujours simple. Alors, on a peut-être cette vision de carrier qui va extraire, produire des milliers, de tonnes. On n'est pas tous comme ça. Moi, cibler 15 tonnes de terre pour faire du puiset, aucun problème. On le fait avec grand plaisir. Merci beaucoup. Pascal Batman, je me permets de, je voulais être carrément muet, mais j'y arrive pas. Alors, excusez-moi, mais je pense qu'il y a un manque très clairement de vision qui permettrait de réunir justement des carriers, des artisans, des producteurs pour échapper à cet abandon du matériau qui règne justement, puisqu'on a bien évoqué là dans ce qui a été échangé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision. Je vous prendrai comme exemple historique Carnot en 1790, qui a été chargé de récupérer dans la France révolutionnaire tout le salpêtre de toutes les régions et toutes les provinces dispersées. Donc en fait, on pourrait imaginer aujourd'hui, si on avait un imaginaire en commun, si on était capable de construire un imaginaire en commun sur la terre crue, c'est ce qu'a un peu évoqué les participants ici. Si on est capable de se construire un imaginaire commun, je pense qu'on peut s'associer, contribuer ensemble à trouver non pas des banques au sens de la spéculation, mais des plateformes que les communautés de communes, les collectivités territoriales pourraient mettre à notre disposition. Nous, on a essayé de l'évoquer à Villefranche, au moment où on a fait notre chantier de l'école Jean Massé. En fait, la communauté de communes, il y a les friches industrielles, il y a énormément d'espaces de délaissés urbaines. Même si on est dans un contexte de spéculation néolibérale exacerbée, si on est capable de faire un projet d'un destin commun dans ce contexte de réchauffement climatique, mais qui construit ça? Qui construit cet imaginaire? Donc moi, je vous invite à poursuivre le travail qu'on est en train de bricoler, parce que c'est un bricolage. Sans ce projet commun, sans ces rêves en commun, je ne pense pas qu'on pourra s'associer. On peut très bien se prétendre, hein, il n'y a pas de haine entre nous avec un carrier, mais à condition qu'on aille dans une direction qui nous convienne ensemble. Voilà, donc moi, je vous invite, là, puisqu'il y a des questions qui ont été posées, on y a peu répondu, on a fait un état des lieux, je pense qu'il y a une dimension qui manque, c'est cette dimension du rêve, de l'imaginaire. Ça paraît un peu poétique dit comme ça, mais je pense que Carnot et les révolutionnaires français, quand ils avaient besoin de poudre pour se battre, non pas contre le réchauffement climatique à l'époque, mais contre les coalisés de l'ancien régime, eh ben ils ont su se doter d'un imaginaire commun. C'est ça qu'il nous reste à faire. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Réseau pourrait se mettre d'accord et s'organiser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Des questions? J'ai passé un petit peu le temps déjà. Donc... Bonjour. C'est pas grave. Ah, d'accord. Moi, je m'appelle Brendan, je suis au DSS. J'ai deux questions. D'abord, il y a une question sur l'ouverture des carrières, juridique ou je sais pas. Quand on est propriétaire du terrain, on peut exploiter d'une certaine manière le sous-sol. Donc, est-ce qu'il y a des limites? Bon, c'est une première question. Je n'ai rien. Deuxième question, je voudrais savoir si l'un ou l'une d'entre vous a des exemples de process industriels. J'ai beaucoup entendu le fait que pour la terre, un des enjeux, ce serait de s'inscrire dans l'arsenal productif qui existe aujourd'hui pour arriver à des volumes qui sont convaincants et qui permettent d'aller voir des gros producteurs. Moi, je me demande si ces gros producteurs-là sont pas un peu une
une part du problème à long terme. Je voudrais savoir si, c'est un débat. Je voudrais savoir s'il y a des choses qui se font sur des nouvelles manières de, d'industrialiser. Je parle là notamment d'usines qui se baseraient sur des low-tech. Pas de faire son moule en bois, et puis, voilà. Mais des vrais choses à échelle industrielle. Par exemple, aujourd'hui, l'air comprimé est une énergie qui est totalement sous-exploitée en France et même dans le monde, alors que ça peut être totalement produit à partir d'éoliennes, sans aucune énergie carbonée, etc. Est-ce qu'il y a des choses, des tests qui sont faits par rapport à ces usines-là qui pourraient permettre de faire de la faire crue d'une nouvelle manière, à échelle industrielle, quoi. Nous, on n'est pas à l'échelle industrielle, mais c'est la logique, c'est ce qu'on essaie de développer, c'est de mécaniser en essayant de faire en sorte d'utiliser le moins d'énergie possible. Alors, c'est rigolo de parler d'énergie pneumatique. Donc, on peut se poser la question de l'efficience de l'énergie pneumatique en transformation. Voilà, c'est un débat, mais effectivement, de toute la logique qu'on a construite comme ça, je pense que Cycloterre, c'est quand même quand ils ont construit la fabrique à Sevran avec un toit vitré sous lequel il y a une plaque noire qui permet en fait une lame d'air qui est comme ça réchauffée et qui est réutilisée ensuite dans le tunnel de séchage. On est bien dans cet emploi low-tech. C'est un enjeu qui est crucial d'ailleurs dans le procédé de transformation. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'avantage de la terre crue, c'est ce procédé de transformation dans lequel il y a peut-être une chose. Mais il ne faut pas aller rajouter du carbone un peu partout ou de l'énergie fossile un peu partout. Donc, ça impose de penser des systèmes dans lesquels on va utiliser le moins d'énergie, on va utiliser la chaleur fatale d'un four, on va utiliser du brassage d'air en toit, on va utiliser du panneau photovoltaïque pour faire fonctionner des convoyeurs, etc. Et nous, on est vraiment dans cette optique-là, et je pense qu'on est plusieurs à être vraiment dans cette optique-là. Est-ce qu'on retrouve, même si on est dans des dynamiques de mécanisation, on retrouve des idées qui sont comme les briquetiers du siècle, c'est-à-dire un moment où l'énergie n'est pas largement disponible, où l'énergie est chère. Logique là aujourd'hui. En fait, déjà, le fait que ce soit pas cuit, ça permet quand même de faire, d'avoir une rentabilité avec des outils de production, avec des matériaux cuits. Et ça permet aussi d'implanter une petite, qu'on appelle ça usine ou site de fabrication ou tout ce que vous voulez. Je veux dire, de toute façon, on a déjà beaucoup plus low-tech qu'un panneau de, je sais pas, du placo. Ou de la brique cuite, voilà, on est déjà beaucoup plus low-tech. Et effectivement, je pense encore une fois qu'il ne faut pas mettre les choses l'une contre l'autre. Alors ici, je crois que personne n'a dit qu'on veut que les gros viennent produire de la terre, surtout qu'on s'aperçoit quand même que Saint-Gobain fait exactement le contraire, ils font de la terre stabilisée, ils ne le disent pas, ils appellent ça de la terre crue. Et c'est là où il y a une grosse attention à avoir. Moi, je suis un peu moins raciste avec la BTC stabilisée qu'avant, mais déjà qu'on le dise. On le dise quand on stabilise, on le dit. C'est tout. Et c'est, pour moi, c'est la plus grosse critique à avoir sur la norme BRIC, c'est que dans l'appellation, vraiment dans la première, mais pas dans ce qui est écrit derrière, oui, on est obligé de dire ce qu'il y a dedans, mais dans l'appellation, pour moi, une BTC avec du ciment ou avec de la chaux ou avec je sais pas quoi, c'est une BTC-S. Et ce S doit être obligatoire. Et ça change aussi les choses. C'est-à-dire que justement, tant qu'on reste dans du très cru, ben, je pense qu'on est un peu plus dans du low-tech, on répond plus aux enjeux d'aujourd'hui. Et je crois quand même qu'il y a moyen de faire ça de façon assez décentralisée. C'est toutes les carrières qui ont un peu d'argile et toutes les... Et toutes les petites briqueteries passent à 50% de cru, ben on aura déjà un bon maillage. Voilà. Allons-y. Juste pour ajouter, parce que
Moi, je trouvais ça assez intéressant. En tout cas, on a fait une étude environnementale de nos deux modes de production, que ce soit à l'échelle artisanale avec la petite presse sur site et à l'échelle industrielle. Et on se retrouve. Impact autant, en tout cas, si on prend vraiment que l'énergie grise et l'impact carbone, c'est vraiment les mêmes résultats avec les mêmes formulations, en tout cas. Hein, même formule. Donc, gros petit, en tout cas, chez TerraBlox, ça représente la même chose. Je pense que la massification, elle passe aussi par les petits. En fait, la multiplication des petits, ça peut faire de la massification. C'est pas forcément, on n'est pas, aujourd'hui, on n'est pas condamné à ce que la massification, elle passe par des très gros qui écrasent tout et qui laissent de la place à personne d'autre. Comme il dit, Andreas, c'est de la place pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut faire attention que la filière crue laisse de la place aux petits. C'est une partie de la massification. Plus grosse entreprise de France aujourd'hui, c'est les artisans. On entend parfois ça, ce slogan-là. Là, voilà. Ça doit être un peu pareil au niveau de la terre crue. Et c'est pour ça que je prends vraiment au développement des briqueteries. Je ne comprends pas quand ils ne sont pas plus avancés, mais enfin voilà. Et en tout cas, les petites structures ont dans leur ADN l'économie de moyens. Ça, c'est sûr. Parce qu'on n'a pas plein de sous, on n'a pas des gros moyens. Donc, du coup, on est formé par ça. Toutes les petites structures font de l'économie de moyens. Donc, c'est une façon aussi d'être low-tech. Parler Merci beaucoup. Dernière intervention. Oui, une petite question. La transition est toute trouvée pour parler des petits. Je m'appelle Pierre Royon, je fais un doctorat en ergonomie à la CAPEB. C'est un petit entreprise du bâtiment et votre question là sont très intéressantes. Et je m'interroge sur cette question de changer d'échelle, notamment aussi pour les petits artisans qui sont sur le terrain, justement avec les produits que vous fabriquez. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour les artisans à proprement parler, de s'intégrer dans une démarche biosourcée, peu importe comment on l'appelle, éco-construction? Est-ce que ça re-questionne l'entreprise, la façon de s'organiser? Est-ce que ça re-questionne les compétences ou est-ce que ça re-questionne quelque chose de plus large? Comment on essaie d'amener les petits, justement, là-dedans? Question, merci. Alors, je suis un peu tout seul, à mon grand désespoir. Mais, ouais. Non, mais cette question de changement d'échelle, de toute façon, pour nous, petits artisans, c'est vrai que. Pas la question. Qu'est-ce que ça demande pour les artisans de faire des grands genres de démarches? Ça demande en quoi? En termes de. En termes de travail. En termes de changement. Voilà. Pas de j'ai jamais fait, si tu veux, du chantier. La terre, c'est un prétexte. Alors, je vais peut-être en faire beaucoup, dire plusieurs. Et pour moi, la terre, c'est un prétexte à construire, à s'exprimer, à travailler ensemble. On fait de la terre, on fait du pisé, mais je ne fais pas que ça. On n'a pas vu sur les photos, mais on est aussi spécialisé en de construction. On fait des voûtes, on fait des arcs, etc. Et je pense que ces différentes approches de la construction, parce qu'on parle de construction, hein, sont importantes. Tout à l'heure, je disais, moi, je ne me vois pas demander à mes gars à produire des adobes et à faire que ça, à faire du pisé et à faire que ça toute l'année. Donc, on peut passer 3-4 mois à faire que du pisé et puis après, on va aller faire des voûtes, par exemple. Des voûtes, faire des enduits, on va produire des adobes, on va faire des choses plus ou moins variées. C'est-à-dire dans mes équipes, en fait, qui travaillent, je n'ai pas de maçon. J'ai zéro maçon. Personne, je dirais, avec un CAP de base de maçon. Donc, j'ai souvent des gens, soit en reconversion professionnelle, des archis ou des profils assez variés, des gens qui ont passé, alors peut-être des formations type OPRP ou OPEC, donc qui ont l'équivalent, on va dire l'équivalent CAP,
mais qui ne sont pas des maçons. Et je dirais, moi, ce que j'adore sur les chantiers qu'on fait, c'est de rencontrer des entreprises plus grosses que nous, conventionnelles, qui ont fait du béton, qui font du brûlon, etc. Et d'essayer de les convertir, eux, à faire de la terre, à faire du pisé, etc., par le secours, par tout ça, quoi. Et ça marche. C'est-à-dire, les gens qui viennent me voir pour travailler, ils sont convaincus, ils veulent faire de la terre. C'est pas forcément, je dirais, la meilleure chose. J'aurais presque envie de leur dire, mais allez bosser dans des boîtes où ils font du coupage, où ils font du béton, allez pousser des brouettes, porter des seaux de ciment, voir comment ça marche, rencontrer ces gens-là, essayer de faire peut-être du prosélytisme, justement, dans ces boîtes-là, plutôt que d'aller chez les convaincus et d'aller chez des gens convaincus comme nous. Voilà. Et j'en rencontre de plus en plus, justement, de ces entreprises-là qui ont envie de franchir le pas. Souvent, c'est des petites boîtes un peu familiales, des boîtes de maçonnerie intermédiaires entre, je dirais, entre 10 et 50 bonhommes. C'est déjà des tailles intéressantes, hein, et qui se mettent à faire du pisé. Lise Morel, qui a fait le béton avec nous pour le chantier de Villefranche, répond à des chantiers pisés. Alors, au début, ils étaient presque gênés. Ils disaient, ah, j'ai l'impression que je te pique le boulot, machin. Mais non, mais vas-y, de toute façon, du boulot, comme on dit, il y en a énormément. Donc, lance-toi. Alors, ça commence par des petits murs et de plus en plus répondre à des chantiers plus gros. C'est Pascal, tu veux rajouter quelque chose? Parce qu'on travaille ensemble avec Pascal. Et en disant, en fait, on ne peut pas rester sur le paradigme de l'organisation d'hôtes. Si vous voulez, en fait, même l'industrie qui est une sorte de péripétie, je ne sais pas si ça marche. La difficulté, les satisfactions qu'on peut avoir en termes artisanal, puisque vous avez évoqué, moi, ce que j'ai adoré découvrir à l'école d'archi de Grenoble à l'époque, c'est la notion de culture constructive. Alors, j'ai parlé d'imaginaire un peu volontiers, mais réellement, les artisans, ce qu'on essaie de faire à Archivolt, c'est d'une part, d'avoir des satisfactions, on souhaite le faire, dans la brutalité industrielle, je veux le dire. C'est-à-dire, tant qu'on n'encadre pas les industriels extracteurs à respecter les biens communs, effectivement, on continue à aller dans le mur. Et une des chances qu'on a, c'est qu'on a encore des paysans et des artisans qui incarnent un continuum qui est le sens du bien commun. Et si la terre est un excellent prétexte, comme dit Laurent, pour incarner ça et contaminer. On sort de 2 ans d'isolement, mais on s'est bien rendu compte, tout porte à le penser, que c'est la contamination, et la terre est un excellent virus anti-industriel, au sens du paradigme. C'est-à-dire que pour Laurent, moi, les gens qui travaillons ensemble, notre passion, c'est de transmettre, de contaminer donc d'autres entreprises bien plus grosses, organisées différemment, à des satisfactions qui semblent précaires, qui semblent très infimes dans les ambitions Startup Nation, Choose France, etc., qui sont des impasses. On a tous conscience que le réchauffement climatique, c'est un véritable enjeu. Et quels moyens on peut avoir de transformer cette situation absolument ignoble? Et donc, nous, les artisans, pour revenir à l'ergonomie, on a la possibilité de vous faire partager des satisfactions du quotidien à réaliser des murs porteurs en pisé, pour autant qu'on passe à travers les mailles, les normes de l'assuranciabilité et des inhibitions industrielles. Et on essaye, on n'a pas peur d'essayer de convaincre des gens qui travaillent du côté de l'industrie de retrouver ces satisfactions-là. Parce qu'on est embarqué dans la même planète. Et la Terre crue avec ses difficultés, sa diversité, c'est ça. Je me demande comment ça se fait qu'en France, il n'y ait pas actuellement des équipes de jeunes diplômables qui fassent la tournée des carrières et qui fassent dans chaque carrière, comme on l'a fait avec Laurent la semaine dernière, ils fassent quelques briques et quelques mouflettes, quelques échantillonnages de ce qui sont les délaissés des carrières pour en faire un usage, puisqu'en fait, ces délaissés participent du bien commun. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on associe, pour revenir à ce que disait Andreas, quand est-ce qu'on associe les sensibilités? C'est à nous de le faire. Bon, c'est le chantier ouvert. Et les artisans, ils contribuent, évidemment.
mais les producteurs aussi. Mais encore une fois, ça demande d'avoir une vision à 40, 50 ans. On peut pas rester dans la productivité et la banque à court terme. Ça, c'est le modèle hollandais de la précolonisation. On a vu les dégâts que ça a produit. Aujourd'hui, on peut pas rester insensible au constat que tout le monde fait. Donc, il y a la possibilité de bricoler autre chose. Voilà, acceptons de bricoler ensemble. Parce que je crois qu'il y a quand même un constat commun. On a du mal à faire passer au niveau du gouvernement français actuel. Il reste quand même sur les modèles industriels lourds et à développer ça. Ceci dans le domaine du, dans le domaine de la construction, de l'architecture, on a le Bauhaus, dont les fondements sont aussi basés sur une reconnaissance que l'industrialisation du bâtiment a amené tout un tas de problèmes qu'on essaye de régler aujourd'hui. C'est, et en fait, moi, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est toute une étude sur le bois, la filière bois dans la région Auvergne. En fait, bah, la catastrophe de l'industrialisation par rapport à la multiplication. Ici, on est sur les mêmes problèmes que les cibles mobiles. Capable, elle, de faire le travail très fin. Vraiment, sur la Terre, on est en train de parler de la même chose. C'est pour nous assez intéressant de partir sur cette filière bois. Et finalement, quand on parle de canards, quand on parle de vaches, quand on parle d'agriculture, c'est les mêmes problèmes. Absolument qu'on arrive à faire comprendre à notre gouvernement qu'on fasse des choses plus fines, plus au niveau local, avec des citoyens locaux. Il y a un vrai travail de fond. Après, ben, effectivement, comment s'organiser pour ramener ça? Il y a un vrai travail de fond à faire là-dessus. Ça, c'est clair. Ceci dit, moi, j'en viens toujours à cette idée que il y a certains travaux qui sont pénibles. Est-ce qu'on peut développer aussi des équipements qui permettent que certains travaux soient un peu moins pénibles. On en arrive à des choses un peu bizarres. Voilà la machine qui palettise. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui va palettiser 200 tonnes. Ça pose question. Bon, là, c'est vrai que on a tous été un peu choqués par cette idée-là, mais on s'est rendu compte. Il y a, à mon sens, une recherche technologique, de petites technologies. En fait, il faut qu'on revienne. Moi, j'ai fait très critique avec ça. Hein. On revient. Voilà. Voilà, il y avait des années 70-80 où on avait la technologie à côté, le sport is beautiful. Où on a fait aussi. Et comment développer des petits équipements, des choses qui sont aussi abordables pour des artisans, pour des petits entrepreneurs, de façon à ce qu'ils puissent faire un peu plus à leur échelle, mais avec et moins pénible, qu'on a du mal aussi à faire. Il y a toujours des gens qui vont aimer ça. Bon, si on veut aller plus. Parce que je reviens un peu vraiment sur cette question et je reprends aussi l'idée du virus. Un virus pour qu'il se transmettent, il faut que l'autre il soit un petit peu quelque part ouvert à ce que ce soit transmis. Et moi, j'aimerais bien faire part de mon expérience. Des artisans avec qui j'ai super bien bossé, entre autres, c'était un gars de la Drôme qui était plâtrier de formation et qui avait une machine à projeter et qui faisait de la façade. Et ben, c'était un des premiers à faire des enduits terre à la machine à projeter. Et c'était un tout petit artisan et qui, voilà. Et comment il est arrivé vers toi? Oui, il fallait déjà qu'il arrive vers moi, je suis d'accord. C'est moi qui lui ai envoyé. Bah oui, sûrement. Bah oui, sûrement. Bah évidemment. C'est pour ça que ça. On a des champions de la génétique en France. Hein. Autant ça fait beaucoup de boulot. Ouais. Et là, je repasse à autre chose. Actuellement, il y a un peu une discussion sur justement l'opportunité de faire des panneaux en terre. Et bien justement, un plaquiste aujourd'hui, tu vas pas l'emmener à faire des enduits. Ça, c'est ouais. Clair. Pas du jour au lendemain, difficilement. Par contre, si déjà tu le fais passer à travers. Le fait, peut-être, entre-temps, il a peut-être déjà essayé du permacell, il va dire c'est lourd, mais finalement, pour fixer les trucs, c'est quand même bien. Voilà, il a trouvé que c'était pas mal. Et si tu lui donnes des panneaux en terre,
il va peut-être aller pouvoir aller plus loin parce que c'est une la technique de pose ne change pas foncièrement, sauf que tout d'un coup, il va être obligé de faire un enduit un peu plus mieux que parce que s'il fait un enduit terre sur des panneaux en terre, ben il faut la trame, machin, il faut bien, etc. Et donc, on va amener des gens à aller plus loin. Et l'autre chose que je voulais comment dire là, justement pour que les gens ils passent à l'action et que vraiment le virus y rentre, ben je pense qu'il y a énormément de gens qui passent d'abord par des matériaux en terre prêts à l'emploi pour la première utilisation, la deuxième, la troisième, la cinquième, et un jour, eh ben ils commencent à maîtriser, ils trouvent de l'argile à côté et puis ils disent bon, eh ben c'est très bien. C'est justement, c'est pour ça que je dis que il faut ouvrir, il faut laisser tout le monde avancer. C'est juste parce que. Oh, pardon. Juste pour rebondir sur Laurent, ce que tu as dit. Tu as dit, oh, je suis tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. Et c'est ça la clé, en fait, par rapport à ta question. Nous, à la briqueterie, on est en intermédiaire avec plein de petits maçons. Hein, on est une petite structure, donc petits maçons, machin, des grands aussi, mais enfin, beaucoup de petits quand même. Et on a fait énormément de transitions. Enfin, on a participé énormément à faire des transitions de parpaing ciment-béton à terre crue et d'artisans. Donc, moi, je peux t'en parler, il n'y a pas de souci. Et ben, c'est comment? Ben, c'est en parlant, c'est en pédagogie, et en assistant, voilà, que l'artisan ne se sente pas seul. Et l'artisan, voilà, c'est notre responsabilité de fournisseur de matériaux de faire en sorte que l'artisan ne se sente pas seul, ne s'en sente pas au pied d'une falaise au bord duquel il faut se jeter. Voilà, les exemples, voilà, de dire, bah voilà, il y a plein de chantiers, regarde, il y a celui-ci, tu le connais, il a fait ça, voilà. Donc, ouais, c'est un virus, d'accord. Dernière intervention. Je vais passer pour réponse aussi. On n'est pas toujours pareil, effectivement, du terrain, de l'accompagnement chantier pour ceux qui découvrent, ceux qui vont, prévaler parce que certains, mon artisan, je lui ai demandé de faire de la terre, mais il veut pas, parfois même aller jusqu'à suggérer hein, des systèmes constructifs ou des isolants qui accompagnent bien la terre, donc des fois remodeler hein, la physiologie, le système du chantier, et aussi savoir que depuis tout récemment, référentiel de l'éducation nationale pour le CAP et BP maçon a intégré les enduits. Donc, petit à petit, ça, grâce à Luxeuil, hein, lycée de Luxeuil en Haute-Saône, petit à petit, ça porte, ça avance. Donc, il y a des jeunes qui vont arriver sur leur métier en ayant au moins, enfin, on intervient aussi pas mal en lycée professionnel et la terre, mais c'est quoi cette histoire? Alors que là, au moins, ben voilà, c'est dans leur cours. Chose qui avance. Tiens, ça, les choses avancent. Je crois que c'est une conclusion qu'on peut quand même obtenir de toutes ces présentations, puisqu'on se rend compte que. Ce qu'on... Les choses avancent. L'initiative se multiplie, les productions ont quand même tendance à s'amplifier. Alors, par rapport à ce que j'ai dit au départ, l'impact qu'on arrive vraiment à avoir, ça reste surtout. Arrête de ses idées à son échelle, il y a des organisations qui sont là aussi pour rassembler les gens, il y a une assemblée générale qui vient d'arriver, donc peut-être des choses peuvent être visibles, peuvent être exposées. On va s'en emparer, on essaie de jouer notre rôle en tant que rapport de l'État. Ne serait-ce que par accueillir les docteurs aujourd'hui. On a interpellé il y a quelques jours, on travaille sur ces questions-là, un en Autriche et un qui s'est présenté tout à l'heure. Enfin, c'est ça, avec la capette sur une capette sur les cousines. Il y a aussi plus d'intérêt, on le voit nous, et plus en plus de gens qui viennent nous visiter, qui viennent consulter notre centre de documentation, qui viennent nous interviewer, nous demander de les aider à rencontrer. Ça peut être
avec des discussions un petit peu plus approfondies et de voir éventuellement pour vous rencontrer pour être aussi d'avancer. Et la recherche aussi pour les... Simplement dire que on a filmé la table ronde, donc on va la mettre en ligne. On va la mettre. Personne qui aurait pu la suivre, je pense que pas de gens pourraient être intéressés pour la suivre. On a ensuite deux collègues, Yvan Mazel et David Gandreau, qui sont très intéressés par ce sujet. Le provocateur qu'on a, c'est la massification, mais on entend bien massification, c'est la multiplication de ces entreprises, bien évidemment, qui ont préparé un compte-rendu aussi écrit de cette table ronde qu'on fera circuler. Voilà. Je voudrais finir avec un grand merci à tous. C'était, je pense, vraiment très, très intéressant que la table ronde. Avec des avancées nouvelles. Voilà, encore merci à tous, merci au public d'être aussi nombreux.